Bien le bonjour YouTube, j'espère que tu vas bienvenue pour cette nouvelle rediffusion de live. Enchanté de te rencontrer et bonne année. Nous sommes actuellement le 18 septembre 2022. Il est 20h30 et 34 secondes. C'est la seule fois de toute ma vie que je pouvais dire ça sans mentir, donc j'en profite. Aujourd'hui, on se retrouve déjà. On se retrouve, parce que j'ai eu des galères d'internet, tout ça, qui faisait que je pouvais pas streamer. Sally Face, ça arrive la semaine prochaine, ne t'inquiète pas. On se retrouve aussi en compagnie de gens qui sont juste là, qui sont beaux, qui sont belles. C'est des BG, hein, tu vois, eux, c'est les... Ah, c'est le sang, là, c'est les meilleurs, ils sont là. Ils veulent avoir peur, parce qu'apparemment, ça va faire peur ce soir. Alors, tu me connais. Moi, je suis dur comme ça, il n'y a pas de problème, moi, j'ai pas peur. Mais le chat m'a dit, oulala, Farod, le pipi. Le pipi, comme ça, le pipi. Alors, fan game de Five Nights at Freddy's, assez réputé dans le milieu du jeu vidéo indépendant, qui s'appelle JR'S. Je vais continuer à l'appeler JR, tout simplement. Qu'on a vu passer par-ci, par-là, par des streamers, par des youtubeurs. On va le tester aujourd'hui. Moi, de mon côté, j'ai rien vu, à part 2-3 images du jeu et beaucoup de messages de gens dans le chat qui me disent « Vas-y, joue-y, il est bien ». Allez, je vous fais confiance. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de FNAF sur le live. Le jeu va être compliqué à jouer de mon côté parce que c'est en anglais. Je vais pas comprendre l'anglais, je vais pas comprendre le gameplay du jeu, donc je vais m'en remettre au chat en espérant que le chat ne me spoile pas sans faire exprès, mais je vais demander fréquemment au chat de m'aider, de m'indiquer ce que je suis censé faire, ou alors je vais peut-être le comprendre de moi-même après, je sais pas, 16 écrans de Game Over, potentiellement. Je sais pas. En tout cas, j'espère qu'on aura peur ce soir, mais le chat m'a spoilé que ce sera le cas. Donc bonjour YouTube, bonjour la rediff, installe-toi, mets-toi à l'aise, on va découvrir ce jeu-là. Le chat, Twitch, bah, vous aussi vous êtes déjà installé depuis 25 minutes qu'on se parle. J'espère que ça vous plaira. S'il vous plaît, du respect, de la gentillesse, de la courtoisie dans le chat, entre vous, envers moi aussi, parce que vous savez, je suis con, moi je vais rien comprendre au jeu et je vais pas le respecter le jeu. Et comme je vais pas le comprendre, je vais dire, mais il est nul le jeu, alors que le jeu est très bien, mais c'est juste moi, tu vois. J'ai un ego, je peux pas dire que ce soit moi qui suis nul. Et merci de respecter aussi les modérateurs qui vont devoir gérer à E4, à E5, à pas beaucoup de personnes, plus d'un millier de personnes. Vous êtes actuellement 1454, c'est écrit juste là. Ce qui fait, je te laisse calculer le ratio pour une personne à gérer. Ça fait beaucoup. Donc ils vont avoir du mal, ils vont pas hésiter à mettre du slow mode, à mettre les mode only pour pouvoir gérer le chat. Voilà, donc, voilà. Pas de débordement, s'il vous plaît. Hein. Restez courtois, n'allez pas chercher à dire des trucs, des insultes ou des trucs comme ça. Vous allez juste vous faire ban et ça sera juste regrettable. Pour vous, nous on s'en fout, c'est pas grave, nous on continuera à jouer. Donc voilà, tout le monde est cool ce soir. Je vous fais confiance, c'est un test aussi que je fais pour voir, parce que c'est vrai que les précédents live FNAF étaient très cool. Mais c'est vrai qu'en termes de chat, de communauté, c'était assez... mouvementé, on va dire. Donc c'est de nouveau un test pour moi pour voir si ça se passe bien, et si ça se passe bien, eh bien on verra la suite. Voilà, j'en ai assez dit. Alors, du coup, on va quitter la musique qui était juste là et qui était très agréable, bien qu'un petit peu répétitive. On va lancer le jeu. C'est bien que quand tu demandes de l'aide, le backseat. Maluga me demande ça. La réponse étant que, alors déjà la réponse étant que si je me mets pas en plein écran, je me suis mis en plein écran. Parfait. Est-ce que si je clique à côté, ça quitte pas? Bon, ça commence très bien. 2 secondes, Maluga, je te réponds juste après. Le jeu est juste là, alors attention. Maluga, non, oui, je vais souvent demander, du coup, dans le... Je suis mal cadré, je suis bien cadré, ça va. Je vais souvent demander dans le chat, j'ai pas compris, il faut faire quoi, mais dans la plupart des cas, je vais peut-être même pas trop regarder le chat, donc même s'il y a du backseat, c'est pas très grave, je le verrai pas. Si je vois du backseat dans le chat, je demanderai aux gens de pas le faire, et puis voilà. Alors attention, dire que le jeu fait peur, c'est un spoil, hein. Ne dites pas que ça fait peur, hein. Sinon vous êtes tous ban. Je plaisante? Ah non, c'est un spoil. On ne fait pas ça. Non, voilà, donc je vais demander de temps en temps ce qu'il faut faire. Et puis s'il faut, je vais être un génie. Oh, pourquoi je crois pas en moi là? Je vais être un génie, je vais tout comprendre. Alors, JRS a été fabriqué sur Windows 10, tatata. Voilà, ils te disent du coup, mettez-le en 1080p, tatata. Je sais pas quoi, donc je mets ok, c'est super cool. Et là, il va me poser la question de est-ce que vous streamez? Voilà, est-ce que vous avez comme plan d'enregistrer ou de streamer ce jeu? Je suis honnête, je suis actuellement en train de le streamer, oui. Il me dit, attention, note bien donc le fait que le jeu utilise des add-ons de 3D ou je sais pas quoi, qui sont FiniCly Software, et qui peuvent amener à des corruptions d'enregistrement à peu près, voilà. Donc il faut utiliser le Game Capture avec OBS, voilà, et donc moi je suis sur, je sais même pas, ah non, ou alors il dit il faut pas l'utiliser.
J'en sais rien. Moi, j'enregistre l'écran, je pense que c'est le truc qui posera le moins de problèmes au jeu. Alors attention, le jeu suivant contient des flashs de lumière, des gros bruits, des jumpscares. Je pense qu'aujourd'hui, en 2023... Ah non, attendez. Oh là, pardon, je suis un petit peu dans le futur. En 2022, tout le monde sait ce qu'est un jumpscare, donc vous êtes prévenu, le jeu fait peur et le jeu va vous faire peur. D'accord ? On y va. On y va ? On y va. Alors, est-ce que ça lag ? Ça lag pas du tout de mon côté. Est-ce que ça lag du côté du jeu ? On va le voir tout de suite, attention. Ça lag pas ? Pourquoi quelqu'un a dit dans le chat que ça lag ? Ça lag pas ? Bah non, c'est très fluide pour l'instant. Moi, j'entends rien, par contre. Ah oui ! Alors, faudra aussi me dire au niveau du son. C'est une drôle d'image, ça. Faudra me dire aussi au niveau du son, bien qu'on n'a pas lancé le jeu, alors ne me le dites pas maintenant, au niveau du son, si c'est OK ou pas. Hein. Donc voilà, là, j'avais des options. J'y suis allé vite fait. D'accord, ok, pourquoi pas. Vas-y, fais donc, enlève-moi le full screen. En fait, il n'y a pas de problème. Pourquoi t'as fait ça ? D'accord, ça marche plus ? C'est bizarre. C'est, ça n'a aucun sens. Ok, on est toujours aussi fluide. Tout va bien ? Potentiellement que je vous mets un filtre de luminosité. Alors ça, vous me le demandez pas. C'est moi qui insiste pour le mettre moi-même parce que je commence à connaître un petit peu... Bon, on finit sur une bonne image. Hop, non, c'est pas le bon... Voilà. Non, parce que je connais un petit peu OBS, le stream, tout ça. Et je, voilà, là, je vous en ai mis un, vous en rendez pas forcément compte, c'est pas grave. Voilà, le petit filtre, parce que je sens que le jeu va être bien, bien sombre. Alors, moi, je vais sûrement voir rien, mais vous, vu que vous avez le filtre, vous allez voir des choses que moi, je vois pas. Donc, vous allez avoir plus peur que moi. Vous sentez que je retarde de plus en plus le début du lancement du jeu, parce que j'ai peut-être un petit peu peur quand je vois ces petites images. Vous vous rendez compte ? Non ? Trop de filtres ? Non, vous inquiétez pas, on va voir dans le jeu, s'il y en a trop, vous inquiétez pas, je l'enlèverai. Alors avant qu'on commence, jump straight into it, go over the basic. Alors on va apprendre le petit tuto, on va apprendre les bases. Arrêtez de dire trop de filtres, c'est faux, je vois là. Ah mais c'est moi qui dois choisir. Alors on commence, les gars on commence, ça veut dire quoi jump straight into it? C'est-à-dire quoi, je pars dans le jeu directement ou alors on reprend les bases, c'est ça? Le jeu, le tuto, c'est ça? Qu'est-ce qu'on fait? Fonce direct? Ah oui, on est chaud? Ah, je vais mourir, ça va être une catastrophe. Y aller direct? Ah non, pardon, vous me dites pas d'y aller direct, vous me traduisez ce que ça veut dire, pardon. Non, maintenant, je vous demande, qu'est-ce qu'on fait? Tuto ou... Merde. Non, d'accord, on s'est mal compris. J'ai failli y aller direct parce que je croyais que vous me le disiez. Alors, tuto. Ah oui, parce que sinon, moi, je comprends pas le jeu, et ça va être une catastrophe pour vous. Hein. Alors, tu dois trouver qui possède quoi. Tu dois vérifier les caméras de sécurité. Tu dois regarder le flickering light, c'est quoi, c'est des lumières ultraviolets, des trucs comme ça là, pour voir des trucs dans le noir qu'on voit pas, et marque la possession, les personnages qui sont possédés sur l'ordinateur. Ça a l'air bien, je dois trouver qui est possédé, et on va essayer. Alors, oh c'est mignon comme tout, bien que ça lagouille, le personnage de droite il est en 15 FPS, mais je pense que c'est fait exprès. Qu'est-ce que je suis censé faire? Every time you correctly guess the haunted animatronic via the laptop, the ghost will haunt again, take over an animatronic suite. Alors à chaque fois que tu répondras correctement à l'animatronic hanté via l'ordinateur, le fantôme take over, il mettra quoi? Le costume d'un animatronic? Watch closely for clues like flickering. Flickering, c'est un mot qui revient souvent là. Qu'est-ce que ça veut dire flickering? Caméra outage. And spring. Okay, je suis censé faire un truc. Tiens, on va aller voir. Je sais pas si je suis censé faire quelque chose en particulier. Ah, alors attention, flickering, ça veut dire clignoter. Hein. Lui, je l'ai vu clignoter. Ah d'accord, ok, c'est vraiment le tuto. Ah, on continue. Pardon. Ah oui, d'accord, full tuto, d'accord. C'est vraiment... Déjà, ça se joue beaucoup avec espace, alors que je pensais qu'il n'y avait que la souris. Vérifie la stabilité des animatroniques de temps en temps. Appelle les animatroniques pour conveyor belt for repair, mais sois sûr qu'ils ne sont pas hantés. C'est quoi l'histoire? Il y a des animatroniques gentils et des animatroniques qui sont possédés. Et on doit vérifier des pourcentages sur l'ordinateur de batterie, j'imagine. Ah non, de la stabilité. Genre à l'intérieur de sa tête, si tout se passe bien. 100%, c'est-à-dire qu'il est stable. 10%, c'est-à-dire qu'il est sur le point de me bouffer ou quelque chose comme ça, je pense.
Alors. Ça fait peur. Alors, qu'est-ce que je dois voir là? Waouh! Où est-ce que je suis? Est-ce que je suis mort? Mon corps, cet endroit, je me sens tout bizarre. Je semble être bien, mais je me sens... Wow! Empty! Un mot que je ne possède pas dans mon vocabulaire. Qu'est-ce que le empty? Alors, empty, ça veut dire vide. Vide! Je me sens vide, comme si quelqu'un m'avait volé mon âme. Merci le chat, par contre, vous êtes un milliard à connaître le mot empty. Je suspecte le fait que certains d'entre vous ne le savaient pas, ce que ça voulait dire, et copient juste très rapidement le mot vide parce qu'ils l'ont vu sur le chat pour faire genre qu'ils sont intelligents. Je vous vois, je vous connais, je l'aurais fait à votre place aussi. I feel as if I am being... Je me demande si je ne suis pas stalked, poursuivi. Mais ce sentiment est nouveau pour moi. Est-ce que quelqu'un peut m'entendre? Le texte est jaune. Crunch crunch, quelqu'un qui mange des Kellogg's là, des crunch justement. Crunch crunch. Qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? I'm not looking for trouble. Je pense que c'est une phrase à ne pas traduire mot par mot en français celle-là, je sens. J'ai juste besoin de partir d'ici. I'm not looking for trouble. Je veux pas de problème. I'm not looking for trouble. Je pense que ça, je ne veux pas de problème. Please. Qu'est-ce que ça veut dire, please? C'est de l'anglais, ça aussi, ou c'est une expression d'une autre langue? Oh! Wow! Je n'avais jamais vu quelque chose comme toi auparavant. Vide. Please, ça veut dire vide. Ok, d'accord, merci. Donc c'est un synonyme. On appelle ça en français. Je sais qu'ici... Oui, allô? L'écran est droit, il y a une raison. Il y a du son. Waouh, 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 waouh. Putain, j'ai l'impression que c'est... Mais qu'est-ce que c'est? Mais pourquoi la lettre E en... Mais qu'est-ce qui se passe? Mais c'est ça le jeu? Mais pourquoi déjà... Pourquoi c'est en bas à gauche? Et pourquoi le E en bas à gauche, il ressemble de ouf au E qu'il y a dans Mario 64? Et pourquoi c'est un jeu 3D vu FPS alors qu'on m'avait dit que c'était un point and click ce jeu? Mais attendez, le chat, c'est normal ce qui se passe là? Mais l'image est comme ça chez moi aussi, hein. Il y a plus le E. Ah, il fallait appuyer sur E peut-être. Je suis con. Oh oui! Attendez, mais à quoi on joue là? À quoi on joue? C'est Five Nights ou c'est Poop? Je sais pas du tout, oui c'est normal. T'avais prévenu que t'aurais des problèmes en streamant le jeu MDR. Oui c'est vrai, il avait prévenu. Gourly, m'attendais pas à te voir ici, je suis Paul Beer. Où est-ce qu'on est et qui es-tu? Oh, tu es dans les le Barents. Le Barents. Un endroit entre la vie et la mort. Bon, je suis désolé pour le cadrage, je vais juste... À part vous les tirer vers le haut, mais après il va falloir que je le retire. Je peux juste pas faire mieux pour l'instant, désolé. Le jeu en bas à gauche n'est pas normal. Je sais pas. Bon, écoutez, on va dire... Hé, on sait pas, et on dit que ça fait partie de l'expérience. D'accord? Est-ce que je suis mort? Comment c'est possible? Qu'est-ce qui m'arrive? Calme-toi, petit. J'ai dit que c'était entre la vie et la mort, donc tu n'es pas totalement mort. Mais attends, mais ça bug dans tous les sens. Oh non! Mais c'était une semaine atroce pour les lives ce soir. Dis-moi qu'il va bien marcher ce jeu quand même. Un cerveau, dis-moi que ça va bien marcher. What does that mean, even mean? Il n'y a pas un mot à part what que j'ai compris dans cette phrase. Tu peux retourner dans le monde réel quand tu le veux. Ok, super. Alors renvoie-moi là-bas. Je veux pas rester ici plus longtemps. Pas si vite. Tu dois m'aider avec un business que je n'ai pas fini et que je possède dans le monde réel. Et qu'est-ce que je peux faire pour toi? Oh non, il y a tellement de textes, c'est une catastrophe. Attends, je vais peut-être me rapprocher de toi, ce sera plus simple. Oh, il y a un truc là-bas. Il est aussi bien optimisé que Security Brush. Mais oui,
Tout à fait. Je suis pas... I'm not alive, like... Je suis pas vivant comme toi. J'ai été trapède, ici, pendant d'aussi loin que je m'en souvienne. J'ai attendu tout croche-passe avec quelqu'un comme toi, qui pourrait m'aider à bouger dans une autre vie. Il y a beaucoup trop de textes. I even make... J'ai une offre à te faire... tu m'aides avec mon business qui est pas fini, et moi je t'aide à retourner dans le monde réel. Je sais que JR, on va dire Junior aime le back of my hand, le dos de ma main. Go, retourne dans ton lit et je te transporte dans le monde réel et tu vas meet back here. Et on va se rencontrer de nouveau demain, la nuit prochaine. Ah, mon lit là, c'est glauque. Ah, oh, ben d'accord, ok. Et là, ça s'est remis en full screen. Hein. Pour du con le bordel de ce jeu. Oh, je le sens pas ce jeu. Vraiment, je le sens pas. Alors, open quoi? Je peux cliquer sur les nids, moi je connais. Voilà. Open. Convertior. Oh là là, est-ce que j'ai un message? Non. Et comment je fais pour fermer? Merde. Oh non, j'ai cliqué sur X pour cacher le message. Je suis une merde. C'est pas vrai. Mais comment on fait pour sortir de là? La stabilité des animatroniques sont tous à 93. Oh là, ça va être une catastrophe. Hein. Ça n'a rien fait. Et là, il y a une espèce de chemin. Comment je reviens en arrière? Échappe. Merde. Oh putain. Non, c'était pour rire. C'était pour rire. Bon, dans tous les cas, on a fait le tuto. On est d'accord? Si je fais Jump Strike Into It, on part directement sur le jeu. Je pense qu'il va falloir baisser un peu le bruit de l'horloge. C'était fort, donc s'il y a un jump scare, RIP. Tu as raison. Tu as raison, on va baisser un petit peu le son du jeu. Voilà. Alors. Mais du coup, je me retape tout ça. Bon, c'est pas grave, ça va aller vite. J'ai juste mis un quart d'heure pour lire les textes. On va voir comment ça va se remettre. Ah oui, c'est vrai qu'il y a un écran noir pendant 15 minutes. J'avais complètement oublié ça. Bon, du coup, si vous avez des infos à me donner maintenant pour le gameplay du jeu par rapport à l'ordi, ce qu'il y a à droite, ce qu'il y a à gauche, franchement, le chat, n'hésitez pas. Les modos, on les... Mais c'est... J'ai l'impression de... Je sais pas quoi je joue. C'est incroyable. Ça me tue, ça. Vas-y, on va se retaper tout ça. Hop. Eh ouais, je suis un speedrunner. Qu'est-ce qu'il y a, là? Paf. À droite, c'est les caméras. Ok. Bon courage les modos encore. Alors, ici. Utilisez les caméras pour chercher des animatroniques qui sont hantés. Si tu vois des choses anormales qui clignotent à l'écran, unscreen appearing when caractère disparaît. Voilà, si quelque chose bouge, des trucs comme ça, ouvre ton ordinateur sur la gauche et fais un rapport par rapport à Zambi Holding Space. En laissant espace enfoncé après avoir sélectionné ce que tu veux avec l'interface lente. Le fantôme est entré à l'intérieur d'un animatronique. Ok, mais je peux changer un truc en particulier ou il n'y a qu'une seule caméra là? Entrée? Pas d'animatronique dans le repère, d'accord, parce que ça sous-entend quoi là que je... Open? Naviguer? Oh! Il est plus là! Il est plus là! J'ai pas trop beaucoup aimé ça, mais attends, regarde, il écrit numéro 3. Est-ce que je dois changer d'ici les caméras? Oh putain, je comprends, il n'y a que des numéros. Bon, ils sont tous à 87, ce qui en soi cool, mais pas fou. Et après, je pourrais faire un rapport sur l'un d'eux en particulier. Ça, je sais pas ce que c'est. Par contre, comment je sors de là? Close. Ah, mais oui, putain, d'accord. Bon, il n'y a rien derrière. Il y a un truc en haut, non? En bas, non? Au niveau du son du jeu, comment ça se passe? L'ordi ressemble à un micro-ondes. Merci le chat pour l'info, il est là! Il est plus là parce que j'ai cliqué dessus. C'est quoi le bail? Quand je clique dessus, il disparaît, ça n'a pas de sens d'interagir avec lui. Stabilité. C'était Foxy, je crois. Foxy, c'est lui. Ouh, c'est celui qui fait le plus peur. Ils sont tous à 80. Franchement, le chat, si vous avez des infos à me donner, c'est maintenant parce que je joue dans à l'aveugle complet. Je sais pas du tout ce que je suis en train de faire. Et pourquoi maintenant je vois son squelette? Bon.
J'ai pas l'impression que je puisse changer quoi que ce soit. On m'a dit de cliquer quand je vois un truc qui clignote ou quoi. C'était Freddy, apparemment. Ils sont tous à 75, mais c'est ouf. Et là, on sait pas. Garde un œil sur ce panel que tous les compteurs de stabilité sont au-dessus de 0. Appelle un personnage avec le bouton Call. Sans déconner. Call, j'ai pas vu ce bouton. Utilise la roue des personnages plus bas pour choisir qui pourrait t'attenter et laisse appuyer espace pour confirmer ton choix. Mais est-ce que je peux le faire plusieurs fois ou j'ai qu'un seul choix possible? Y'a plus le canard. Y'a plus le canard. En bas à droite pour changer de caméra. Ah putain, mais j'avoue, c'est une putain de blague. Oh merde. Et là je me balade là-dedans. Oh c'est génial. Oh c'est trop bien. Oh c'est trop bien. D'accord, ça c'est la salle principale. Ok. Ok. Et je dois chercher des trucs chelous à la caméra. Oh, c'est génial. Je vais mourir, je vais me prendre un jumpscare. Je vais pas comprendre pourquoi je prends un jumpscare. C'est génial, c'est normal ça, je sais pas. Je sais même pas si je dois cliquer à travers la caméra. Et je viens de me rendre compte que je peux même pas mettre pause au jeu. Parce que du coup ça ferme le jeu directement. Je peux pas prendre le temps de lire le chat pour voir ce que j'ai compris et pas compris. Bah écoute, tout le monde a l'air d'être à 60, c'est pas mal là, je sais pas. Et là, on peut pas y aller. J'avais pas vu ça, c'est incroyable. Bon, est-ce que, vas-y le chat, tu dois chercher les animatroniques sur les caméras et si les lumières clignotent, cela veut dire que l'un des animatroniques présents sur la caméra est tenté. Oh oh, la lumière clignote. Ah, la lumière clignote comme ça ou la lumière clignote en mode piou 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 piou. Je t'autorise à écrire piou 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 dans le message. Dans le chat pour me faire comprendre de quoi on parle. Mais ils sont en milliards là. Mais ils sont tous là. Enfin je crois qu'ils sont tous là. Si tu te trompes, le pourcentage de l'animatronique baisse. Ok, donc vague de piu 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 dans le chat, donc il faut que la lumière fait piu piu là quand même. C'est difficile de savoir. Faut que je regarde si ça clignote. Clignote pas des masses. Il y en a un qui est là. Oh, il n'y en a plus aucun là-dedans. Mais ça clignote lors de l'apparition en fait. Mais il n'y a pas de piou piou piou. Si l'instabilité dans l'électronique atteint 0, tu meurs. Il faut les appeler avec le bouton call, puis rentrer dans la pièce à gauche pour les réparer, remonter la stabilité. Si tu appelles l'électronique possédé, tu meurs. Oh. D'accord. J'ai pas con. J'ai pas compris. Ils sont tous à 41. Faudra bien que je les répare un par un, hein. Mais il faut pas que je prenne le risque de réparer un qui est en fait hanté. Vous avez compris, vous, pour l'instant, qui était hanté? Parce qu'ils se téléportent tous, là, pour l'instant. Il faut un petit peu tous ceux qui veulent. Je crois que c'était Foxy qui avait là. On les reconnaît pas tant que ça, c'est Bonnie ça. Il y en a un là-bas. Foxy est là. Moi je sais, c'est vrai, vous avez compris vous. Regarde, ça clignote pas, ici. Bon, ici il y a personne. Ici il y en a un là-bas. Mais ça clignote. Ah, ça clignote là. Ah, ça clignote sur lui. Il y a personne d'autre. Ah si, il y a lui là. C'est quelqu'un. Ah, il y avait quelqu'un. Mais ça clignote toujours. C'est Freddy, hein. Pour moi, c'est Freddy, lui. Donc, du coup, on appelle tout le monde sauf Freddy, c'est ça? Et on va réparer les gens sauf Freddy. Par exemple, oh, toi, j'aime pas trop. On est d'accord, c'est ça? J'ai absolument rien compris. Donc, Freddy, c'est. Confirmez-moi, c'est. Je bave et tout tellement je stresse. C'est le seul qu'on appelle pas, c'est ça? Et on répare tous les autres, ok? On est ça? On fait ça? Donc, j'appelle lui. Quoi? Oh, oh, j'ai cassé. J'ai cassé. What the fuck? Et là, du coup, je vais là. Pour le réparer, non? Merde, c'est pas comme ça qu'on fait. J'ai pas compris. Pourquoi je suis mort?
La marionnette était hantée. Bon, d'accord. Bon, déjà, c'était pas du tout Freddy, c'était la marionnette. Et. Mais en fait, d'accord, le jeu, c'est. C'est Among Us, en fait. C'est, on cherche c'est qui l'inspecteur. La marionnette était hantée. Conseil. Écoute la mélodie de de Puppet pour savoir où est-ce qu'elle est. Alors, mini pause le chat. Allez-y, c'est votre moment. C'est the moment pour tout m'expliquer de ce que j'ai pas compris là. Qu'est-ce que j'aurais dû faire? Qu'est-ce que j'ai mal fait? Et pourquoi le coup de réparer un truc, ça fait que ça a tout bloqué? Ou alors c'est bon, il fallait attendre peut-être? Non, sélectionne le personnage hanté et appuie sur espace. Ah, ok. Alors, pas tous à la fois. Ceux qui ont vraiment rien à dire, pour le coup, pendant les 2 prochaines minutes, s'il vous plaît, ne parlez pas. Ça me permettra de pas avoir 1 milliard de messages dans le chat. Tu dois regarder les caméras pour voir qui est possédé hanté. Sur les caméras, tu dois regarder s'il se passe des choses étranges, comme un clignotement de la caméra, par exemple. Tu dois aussi réparer les animatroniques en les appelant. Par contre, attention à ne pas appeler l'animatronique hanté, sinon tu te fais jumpscare. Et moi, j'ai appelé Chica, qui n'était pas hanté, puisque c'était la marionnette, et je me suis fait jumpscare. Pour désigner l'animatronique que tu as pensé hanté, tu dois ouvrir l'écran et en bas mettre l'animatronique en question et appuyer sur espace. C'est là mon erreur. C'est là que j'ai pas compris. Je croyais que c'était pour appeler la personne. En fait, j'ai appelé et je me suis dit, il se passe rien, donc je comprenais pas. En fait, j'étais sur une croix, je crois, et j'ai fait espace ou je sais pas quoi, et ça a tout foiré. Ok. Ok. La marionnette ne peut pas être vue. Le seul moyen de savoir où elle est, c'est d'entendre la musique. Donc la marionnette est venue me tuer sous prétexte que je ne l'ai pas vue. Mais attends, c'est incroyable. Si c'est la marionnette qui est hantée et qu'on la voit pas, c'est le plus dur à faire. Quand les lumières clignotent, tu dois regarder quel animatronique est dans la pièce. Ça veut dire que c'est lui. Après, tu dois aller dans l'autre tablette et choisir l'animatronique en question. Ok. Ok. Pour Puppet, tu peux pas la voir, il faut écouter pour entendre une musique. Si tu entends une musique, c'est qu'elle est là. Ah, et donc s'il n'y a pas d'animatronique dans la salle, mais que j'entends une musique et que l'écran clignote, c'est la marionnette qui est hantée. Alors en gros, je continue à lire, hein, vous me donnez plein d'infos, ça me régale. À droite, les caméras t'aident à trouver l'animatronique hantée, qu'on repère avec des traces de mains blanches. Ah oui, il y avait ça écrit aussi, des mains blanches ou des lumières qui clignotent. Pour changer de caméra, tu cliques en bas sur Open en bas à droite. Dans la partie centrale, tu désignes le robot hanté. Tu te trompes, tu meurs. Et tu checks la durée des robots. Quand il y en a un trop bas, tu meurs pareil si tu checks celui hanté. Ok. Mais du coup, j'ai l'impression que tous les robots descendent en même temps. Donc, il faut tous les réparer un par un. Sauf que tu peux pas les réparer dès le début. Parce que dès le début, tu sais pas qui est hanté, qui est pas hanté. Et donc, tu t'en sors pas. Ok. Là, il y avait Freddy. Ah, et une musique. Tu pensais que c'était Freddy, mais c'était la marionnette. Oh, je m'en suis pas rendu compte. Chaque fois que tu te trompes sur l'animatronique hanté, ça baissera sa stabilité. Donc si tu insistes trop, finira à 0 et tu feras jumpscare. Ok, bon écoutez, moi je relance parce que je pense avoir un petit peu mieux compris le jeu. Merci pour toutes vos informations. Ça reste sacrément intéressant comme gameplay. Alors, c'est dommage que ce soit pas ouvert directement ça, en fait. Du coup, que je dois l'ouvrir, mais c'est fait exprès. Ça ne clignote pas. Clignote pas. Clignote pas. Alors je cherche aussi des traces de mains blanches comme vous m'avez dit. Clignote pas. Je sais pas si on était loin ou pas d'avoir la fin du jeu en plus. Clignote pas. Clignote. Ah ça clignote là. Mais y'a qui? Y'a que Foxy là? C'est peut-être pas des vrais clignotements. Ah bah oui, la musique. On l'entend de ouf. Il y a la musique, il n'y a pas de clignotement. Donc c'est pas la pupette. C'est pas toi. C'est ni Foxy. Mais c'est qui ça? J'arrive pas à savoir ce que c'est. Ça clignote. Qui est là? Qui est là? Qui est là? Je vois pas. Je vois pas qui est là. C'est incroyable, ça clignote, y'a personne. Ça clignote plus. Quelqu'un avec une blouse. Mais on dirait. On dirait le. C'est Chica. Chica avec
Une blouse de médecin, non? Là, 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 là. Il y a vraiment quelqu'un ici. Je le vois pas. C'est incroyable. Je vois personne. Pourtant c'est là, hein. Ah non, ça clignote plus. Clignote pas. Clignote pas. Clignote pas. Ah ! Clignote. Il y avait la musique. Mais elle a vu tout à l'heure que c'était pas ça. Je vais aller voir un petit peu l'état des machines. Wow, j'aime pas trop beaucoup ça. Mais pour l'instant je sais pas qui est qui, donc je peux pas prendre le risque d'appeler quelqu'un et de le... Ça clignote là. Ça clignote pas. Je suis perdu. Quand c'est Balloon Boy, les chiffres bug. C'est Balloon Boy, c'est Balloon... Ah, de quoi, le personnage qui avait les chiffres qui buguait, c'était Balloon Boy, c'est ça? Ou vous êtes en train de me dire, l'imposteur, c'est Balloon Boy? Non, c'est Balloon Boy, ok, alors... Freddy, Bonnie, Chica, la marionnette, Balloon Boy et Foxy. Pas de bug. Pas de bug. Pas de bug. Ah oh. Oh, oui, oui, oui. Ouah, Chica, t'es chelou. Chica, tu... Ok, Chica, y'a quelqu'un d'autre avec toi? Bon, j'imagine que c'est Chica. Chica vient de partir. Mais ça... Ils ont donné une autre info. Quand les chiffres de Balloon Boy bug, c'est que c'est lui. Ah! Spoiler! Quoi? Vraiment? Quand c'est lui qui bug, ça veut dire que c'est lui l'imposteur dans tous les cas? Dans ce cas, on va appeler... Bon, j'avais un doute sur Chica. Je vais appeler Freddy pour réparer. Et je fais... Ah, ça, c'est... Ok, donc ça, c'est toujours pour dire qui est le... Ah, attends. Et ça, ça me dirait pas quand est-ce qu'il... Ok, d'accord. Donc, du coup, c'est Balloon Boy. Donc, du coup, maintenant que je sais que c'est Balloon Boy, qu'est-ce que je dois faire maintenant? Ah oui. Mais j'ai pas besoin de faire ça, au final. Je vais dire... Tac, tac. Hop. Et je fais ça. Utilise the downtown visually, quoi? Oui, c'est quoi la musique là? Wow! Tu fais quoi là? Oh putain! Oh 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 oh! Qu'est-ce que je dois faire? Je le mets où ça? Ouf, ok. Grab the ship from inside the animatronic and tous into the Freddy. You're right. Après. Le fantôme est entré dans un autre animatronique, j'espère que c'est pas Freddy. Grab the new chief from the box on the left et mets-le. Ok. Wow. Ça marche. Faisons comme ça, très bien. Alors. Et tiens, attends, mais du coup maintenant c'est quelqu'un d'autre qui a l'animatronique. Potentiellement c'est encore Balloon Boy, non? Pas du tout. Et il y a 80. D'accord, okay. Je commence à comprendre comment ça marche. C'est pas simple, mais je commence à comprendre. Ça bug pas, ça bug pas. Ça bug pas. Bug pas. Bug pas. Ils sont tous déplacés. Ah, ça bug ici. Mais c'est incroyable, ici, il y a personne. Ok, Chica est arrivée. Chica, ça bug pas. Donc c'est pas Chica. Ok, c'est ici. Il y a Foxy. Il y a... C'est quoi ça? C'est Freddy? Il est chelou. Foxy, Freddy. Mais il y a la musique aussi. Je crois. Ça clignote plus, hein. Donc c'était soit Foxy, soit la musique. Ah non, Freddy est là. Mais cette caméra, on voit rien du tout.
Elle est où la musique là? Il y a Foxy. Faut que je trouve. Ça clignote et il y a la musique, hein, encore une fois. Mais il y a Foxy aussi. Et ça, ça m'embête. Parce que j'arrive pas à savoir lequel des deux c'est. Soit Foxy, soit la musique. Bon, pour moi, Chica est safe. C'est soit Foxy, soit la musique. Chica est safe. On va l'appeler. Et je vais continuer à étudier. Il y a Foxy et la musique. Il y a les deux. Ils se foutent de moi. Il n'y a plus Foxy. Il n'y a plus la musique, mais il restait un peu la musique. Non mais vas-y. Il y a tout le monde. Il n'y a plus Foxy à la musique. Pour moi, c'est Puppet. C'est Puppet l'imposteur. Puppet, c'est ça, hein. Non. Puppet, c'est lui. Oh putain, ils vont tous mourir, là. J'espère que... Investigation complétée, là. Qu'est-ce qu'il y a? Mais bien sûr que oui. Mais oui. Les années de loup-garou et de... et de manga... bien sûr, évidemment. Bon. Paul Beer t'attend. Bon, on va voir la suite du jeu, là. Résultat, 7 minutes 43. J'ai jamais fait un temps aussi long. Let's go. C'est fini. Allez, merci à tous d'avoir regardé ce live. J'espère que ça vous a plu. C'était énorme. Continuez. La nuit numéro 2. Oh, attends. Tu te rends compte qu'on était à peine à la nuit numéro 1 et que... et qu'ils étaient tous à 14%, là, qu'ils allaient tous mourir. Il faut vraiment que je gère un petit peu plus les phases de réparation. Pardon, j'ai vomi. Je sais pas ce qui se passe. C'est le stress, ça. Oh, c'est arrivé d'un coup. C'est le stress. Les modos. Les modos, écrivez-moi sur Discord, est-ce que ça va? J'aimerais savoir votre ressenti là actuellement. Il y a quand même 1600 personnes, vous êtes que quelques-uns à être là pour modérer, j'aimerais savoir comment ça se passe. Moi je vais prendre quelques minutes parce qu'il y a eu beaucoup de subs encore. Je vais les lire rapidement et après on va continuer à jouer juste après, d'accord? Je me souviens, j'en étais vers là à peu près, je crois. On avait Weedy qui avait resub pour son 25e mois, on avait Tiglou qui avait resub pour son 9e mois, Amikim pour son tier 1, Audrey la Rageuse pour son 2e mois, Gasti qui a sub en Prime. Pour la première fois de sa vie, bienvenue. Et ma Julien qui arrive pour son 27e mois. Merci à toi, j'espère que tu vas bien. Marine LD 98, merci pour les 33 mois. Valentin 5820, merci pour le Prime. Pour la première fois de toute sa vie, bienvenue. Tiens, je cadre un petit peu mieux la caméra. Livik Suna, merci pour le 5e mois de resub. Matteo, merci pour le 1 an de resub. Bon anniversaire. Warriors 123, merci pour les 2 mois de resub. Luzria, merci pour le 13 mois. Amori Joestar, merci pour le 16e mois. Mad Video, merci pour le Prime, pour la première fois de ta vie. Lugna, merci pour les 8 mois. Obiki, merci pour le Prime aussi, pour la première fois de ta vie. Anoudrid, merci pour le sub que tu as offert. Mekul66, merci pour les 2 mois de resub. Formovex, merci pour les 5 mois de resub. Kenesai, merci pour le sub offert. Superlight FR, merci pour les 11 mois. Just Amy, merci pour les 22 mois. Et enfin, on termine avec Curio, Curolias, qui a resub pour son 2e mois. La honte, j'ai oublié de me resub, sorry. Eh bien, y a pas de souci, mieux vaut tard que jamais. Les modos, tendu sur la fin, pas mal de spoil, mais on survit. J'ai augmenté le mode lent du coup. Je peux pas le lire ça. Les théofuses. Alors, voilà. Donc les théofuses, il y a des petits bans temporaires qui passent dans le chat parce qu'il y a des gens qui n'ont pas encore bien compris le ne spoilez pas, s'il vous plaît. Ne spoilez pas. Gardez pour vous. Si vous avez entendu ou compris qui était l'imposteur avant moi, ben déjà bravo, vous êtes quelqu'un de plus intelligent que moi officiellement, mais gardez-le pour vous. Soyez assez intelligent pour le garder pour vous, pas l'écrire dans le chat parce que vous allez vous spoiler les autres, potentiellement spoiler moi, énerver les modos. Ils ont vraiment mieux que ça à faire pour modérer, pour gérer le chat, parce qu'ils sont vraiment là, les modos, pas pour vous emmerder, mais juste pour que ça se passe bien, pour qu'il y ait une bonne ambiance dans le chat, pour que tout le monde s'amuse, pour que tout le monde profite un petit peu. Si j'avais pas de modos, moi je mettrais les mods only. Et parce que je joue, je peux pas gérer le chat forcément, je peux pas vérifier que tout le monde dit pas Farod t'es un sale con ou des trucs comme ça, tu vois. Donc les modos sont là pour ça. Si j'avais pas de modos, il y aurait pas de chat. Donc s'il y a un chat, c'est grâce aux modos. Donc soyez cool, respectez les règles du jeu, même si vous les comprenez pas ou vous les acceptez pas, ben respectez-les quand même, et comme ça, ça profite. Parce que 1600 personnes pour 4 personnes, c'est beaucoup trop demandé et trop difficile. Donc soyez cool, soyez courtois, soyez gentil s'il vous plaît. Et sur ce, on part sur la nuit numéro 2, souhaitez-moi bonne chance. Mais où est Paul Beer? Tuesday. C'est-à-dire quoi, Tuesday? Day, c'est-à-dire jour. Tuesday. Tuesday. Tuer. La mort. Le jour de la mort. Tu mors. Je vais mourir. Oh, je me spoil. Allez, le jeu t'est ban. Ça, c'est fait. C'est direct. On y va.
Ah oui, mais on a de nouveau les petites scènes de gameplay comme ça. Alors, bonjour, bonjour, le cerveau est là. C'est marrant ça quand même. Non, en vrai, c'est marrant. Carotte Craze. Les règles. Ne cours pas, X poop. Poop, c'est-à-dire caca, ça je sais, X. Je sais pas. Alors, mais tu es revenu. Alors, comment s'est passée ta première nuit? It was un... pas... je sais pas. Je sais pas ce qu'il a écrit, donc je vais inventer que c'était pas si pire que ce qu'il imaginait ou quelque chose comme ça, je sais pas. Ah, c'est pas un X, c'était 10. 10 caca, peut-être. L'activité paranormale... non, mais moi, je continue à bugger sur le E que vous voyez un peu pas trop en bas à gauche, qui est le même E de la police d'écriture de Mario 64. Alors... là, comme je le suspectais, le fantôme a hanté Junior pendant... Junior, alors je sais pas si c'est le nom du resto ou d'un personnage, pendant des années, jouant les mêmes vieux tours. Attends, si le fantôme est dans le monde réel, pourquoi tu ne peux pas t'en occuper toi-même? You made that wall. Ouais, exactement, c'est vrai ça. 3 points de suspension. 6 points de suspension, 12 points de suspension, ça fait beaucoup de points. Ok, très bien, tu m'as eu, j'ai menti. Il n'y a aucun fantôme qui peut revenir dans le monde réel. Mais, such a nervous freak. J'ai peur, je ne peux pas y retourner, je ne peux pas revenir en arrière. J'ai caché, je suis caché à l'intérieur de ce costume depuis très longtemps. Le fantôme fait peur à un autre fantôme. C'est un petit peu ça, oui. Voilà en gros pourquoi j'ai besoin de toi. Et je suis fatigué d'avoir peur de elle. Un pronom qui nous donnera un petit peu plus de lore par rapport au jeu. Elle ne veut pas partir avec mon âme intacte. Non, elle ne veut pas me laisser partir avec mon âme intacte. Elle... ouais. Énorme ça, ouais. Le lore. Mais maintenant que tu es là, tu peux m'aider. Occupe-toi de ce fantôme pour tout. Ouais, exactement, c'est ça. Je suis sûr par rapport à une chose, c'est que... je me sens comme un poisson dans... de l'hawk. Je sais pas ce que c'est le hawk. Oh, hawk. Non. Tu es bien. Bon, bref. Allez, on va dormir. On va faire la nuit numéro 2. C'est parti. Let's go. On y va. C'est parti. Oh putain, let's go. Ça recommence direct. J'ai trop peur. Oh là là, j'ai peur. J'en peux plus. Oh pipi. Il y en a partout. Alors, il y a plus de. Bonjour. Ça bug pas. Oh, ça bug. Non, c'est juste une apparition. Ça bug pas. Pas. Et la musique est Foxy, hein. Et ça bug pas. Ah, ça y est, le fantôme est entré dans les animatroniques. C'est vrai que tant que j'ai pas ce message, je peux rien faire. Bug pas. Foxy. Et la musique. Mais ça bug pas. Et lui, mais j'arrive pas à savoir si c'est Freddy ou quelqu'un d'autre. Ah, ça c'est Bonnie. Et Bonnie ça clignote pas. Après il faut aussi chercher des. Ah, et Chica. Et la musique. Attends. Foxy, Bonnie, Chica. Ah, mais attends, peut-être que c'est des numéros. Comme tout à l'heure. Hein. Ah non. Ok, autant pour moi. Foxy, Bonnie, Chica et la musique, pour l'instant, je les suspecte pas. Et ça c'est Freddy potentiellement. Ça clignote pas non plus. Hein. Ah non, c'est juste une apparition. Il faut aussi que je regarde les animatroniques lentement, voir s'ils bougent, rappelez-vous, s'ils vibrent un petit peu, il y avait une histoire comme ça, dans le tuto. En fait, là, on voit leur squelette, et ça nous permet de voir s'ils bougent ou pas. Il n'y a pas de clignotement, il n'y a pas de mouvement. Pour l'instant, c'est chaud, hein.
rend du mal à savoir. Vous avez quelque chose qui vous saute aux yeux là? Vous avez quelque chose qui vous saute aux yeux? Ben les traces de main, j'ai pas encore bien compris ce que c'était les traces de main. Il y a 4 persos ici. Ça commence à puer du cul pour moi. Pourquoi il y a un Freddy en colère là? Ça commence vraiment à puer du cul pour moi là. Parce qu'il faut que je les répare, mais j'en ai pas un seul où je sais que c'est bon. C'est quoi ça? C'était là avant? On va chercher partout. Y'a pas des traces? Putain les gars, c'est chaud. Je vais juste... Je vais mourir. Bon, ils sont à 60 encore. Mais c'est super chaud. J'arrive pas à trouver. Potentiellement au plafond, je sais pas. Si les caméras me permettent de fouiller jusque là, c'est qu'il y a une raison. Ils sont tous là. Y'a plus personne, ils sont tous partis. Ok, là y'en a qui sont ici. Ça c'est un clignotement d'apparition et de disparition. Oh non mais attends, c'est super dur. C'est que la nuit 2, là je vois rien. Pas de clignotement. Mais y'a la musique. Et peut-être que c'est Balloon Boy hein. Attendez, dans ce cas-là c'est Balloon Boy. Non? Oh, je suis désolé, il va falloir que je répare quelqu'un. Qu'est-ce qu'on en pense? Faut que je répare quelqu'un, là ça pue. Oh putain, vas-y, je vais réparer. Ça pue de ouf, mais ouais, ça pue de ouf. Je fais ça au pifomètre parce que je peux rien faire de plus. Là, franchement, il y a vraiment rien qui m'a sauté aux yeux. Vraiment. Allez. Les traces de main apparaissent lorsque l'animatronique hanté a quitté la caméra. A quitté ! Ah ouais, d'accord, carrément. Allez, hop, 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 hop. J'aimerais bien en rappeler un autre, mais... J'ai vraiment eu une chance sur 6 que ce soit. Mais les traces de main. Vraiment, ça me saute pas aux yeux. Pas de flash. Lui, c'est juste téléporté. Pas de flash, pas de personne qui bouge non plus. J'essaye de bien regarder. T'es là, toi. Hein. Donc, vous me dites que je dois attendre que quelqu'un parte de la pièce. Le moment où il va y avoir des traces quelque part, peut-être au sol, je sais pas, des traces de pieds, peut-être, vu qu'il marche. Tu bouges toi un peu? Est-ce que je dois mémoriser leur position en fait? Ah, il est parti, est-ce qu'il y avait une trace quelque part là? Est-ce que je dois mémoriser leur position et voir dans les autres caméras comment ils sont positionnés, s'ils ont changé de position peut-être? Il y avait quelqu'un ici là? Personne. Je vais mourir. Oh, c'est la pire nuit, là. Oh, je fais ce que je peux pour y arriver, mais... Les traces apparaissent sur les lentilles des caméras. Ah bon? Les traces sont très subtiles. Il y a des traces, là? Non. Non, il a l'air d'avoir un carré, mais ce carré, je l'ai partout. Ouais, ce petit rond. Ah oui, je l'ai partout, ce carré. Autant pour moi. Oh, je vais me prendre un jumpscare. Je vais mourir tellement fort. Je sais juste pas quoi faire là. Oh, il y a des traces là depuis qu'il est parti. Je crois pas. Hein. Des traces sur la lentille. Maintenant je comprends où est-ce que je suis censé regarder. Ouais, il y a tout le monde. Ah, pendant le flash. Là j'ai cru voir une trace là. Pendant le flash noir. C'est ça que je devais regarder. J'ai pas vu. Ah, j'ai pas vu. C'est une catastrophe.
encore pas vu. Attends, on va attendre de... C'est trop... Attends, c'est trop dur à voir. Si c'est pendant le flash noir, c'est trop dur à voir. C'est ça? C'est pendant le flash noir qu'il faut regarder? Bon, tu sais quoi? Je vais faire confiance à Puppette. Oh putain. Ah bah là. Bah là, c'est mort en fait. Il faut que je désigne quelqu'un. Je suis désolé, on va mourir. Il faut que je désigne quelqu'un comme étant le méchant. Mais j'ai aucune... Oh, 66, pourquoi? Ah non, parce que j'avais déjà réparé, c'est ça. Oui. Il est déjà descendu à 66. On va faire quelqu'un au hasard. J'ai aucune idée de qui c'est qu'on va faire. Balloon Boy, peut-être. Mais non, on m'a dit qu'il avait les numéros. Alors, je sais pas, on va faire Bonnie. Mais on a perdu. Désolé pour le jumpscare qui arrive maintenant. Aïe. J'ai pas... Je vois pas. Y a plus de clignotement de caméra maintenant. Maintenant, c'est... Regarde les caméras pour spot clues such as hang smug a clue that can appear when a haunted animatronic leaves the room. Oh, attends, c'est quoi, deux secondes pour mieux me concentrer, je coupe mon micro. Et je suis de retour. Alors, qu'est-ce qu'il y a écrit parce que là, c'est clairement le... T'as pas compris comment on joue, on te spoil. Vas-y, je vais aller prendre Google Lens et je vais aller traduire ça rapidement. Ce sera plus simple. Alors, bon, comme d'hab, si vous avez des conseils à me donner, mais sans spoil, s'il vous plaît, sans spoil. Alors, putain, il me rend trop de recul. Alors, vas-y, traduis-moi ça. Alors, regardez autour des caméras pour repérer des indices tels que des traces de mains. Un indice qui peut apparaître lorsqu'un animatronique hanté quitte la pièce. C'est exactement ce que vous me disiez. Des traces de mains. Merde, j'ai pas vu... J'ai pas vu... Vous en avez vu une, vous? Ça aurait été trop bien que quelqu'un la screen et qu'il me l'envoie, parce que la trace de main, je l'ai pas. On repart direct pour essayer, hein. Des traces de mains, de quoi des traces de mains? Des traces de mains, mais pas du tout, absolument pas. Bon, tant qu'il n'y a pas le message qui dit que le fantôme a hanté quelqu'un, on attend. Qu'un animatronique part d'une pièce, il peut laisser une empreinte sur la caméra. S'il le fait, il est hanté. Attention, à chaque nouvelle animatronique hanté, c'est soit la lumière qui bug, soit les empreintes. Ça peut pas être les deux à la fois. Ce n'est pas du spoil, c'est écrit dans le jeu. J'aime bien comment... Là, ils ont trop peur de spoiler sans faire exprès. Ok, et là, potentiellement, ça peut de nouveau... Non, ça sera que les traces, j'imagine. Ça va pas être le clignotement, là. Parce qu'il y a des traces de... Foxy vient de partir. Est-ce qu'il y a une trace quelque part? Je crois pas. Et là, c'est Chica. On va attendre que Chica s'en aille. Chica est partie. Est-ce qu'il y a une trace quelque part? Pas que je vois. Pas que je sache. Chica est revenue. Bon, on va aller en chercher d'autres. Est-ce qu'ici, il y a quelqu'un? Non. Est-ce qu'ici, il y a quelqu'un? Non. Est-ce qu'ici, il y a quelqu'un? Non. Est-ce qu'ici, il y a quelqu'un? Mais ils sont où, les gars? Oh, allô? Ah, oh, là, vous êtes plusieurs. Attends, stop. Là, il y a Freddy qui est parti. Il n'y a pas de trace. Là-bas, au fond, je sais pas, je crois que c'est... Je sais pas qui c'est, ça, au fond. Il est parti. Il n'y a pas de trace. Je vois pas les traces, ça m'agace. Attends, ah, peut-être que c'est Balloon Boy encore une fois, que les numéros ils bug et que je l'avais pas regardé. La souris, dépêche-toi. Non, c'est pas lui. Attends pour moi. Alors. Toi, on t'a déjà regardé. Mais alors, c'est sur la lentille de la caméra, pas l'emplacement. Là, il y avait un truc à voir, là. Non, il y avait rien. Moi, j'essaie de regarder maintenant dans les flashs noirs, mais... Ah, oh, si c'est ça, vous m'en demandez beaucoup trop, là. Je vois pas. Hein. Vous voyez quelque chose, vous? Vous voyez des traces? Ah, bah, alors, par contre, si vous voyez des traces et que moi, je les vois pas, vous êtes autorisé à me le dire et à me dire exactement où elle est précisément quand on... Parce que sinon, on tourne en rond et on sait pas de quoi on parle, là. Est-ce que vous voyez quelque chose, vous? Ah, bah, d'accord, vous êtes en emote only pour l'instant, vous pouvez pas me répondre. Écoute, moi, j'essaye de regarder...
En fait, je suis focus sur les éléments du jeu, donc quand il y a un écran noir, j'ai pas une vision assez large en fait. Voilà, je vois pas. Est-ce que vous pouvez retirer l'émote only quelques secondes juste pour que les gens me disent où est-ce qu'à l'endroit précis où ils voient une trace? Sinon, moi je. Et après, dès que j'ai eu ma réponse, vous pouvez le remettre. Hein. Sur l'extérieur à droite. Oh non. Tu veux dire en dehors de la télévision que je regarde là? C'est une empreinte de patte et c'est en bleu. Mais vous avez vu un truc bleu, mais vous rigolez. En plein milieu de la caméra, mais elle est subtile. En transparence, alors. La chica, elle vient de partir. Ok. Ah putain, il y a une trace, con. Oui. Oh là là. Oh, j'ai trop peur de me tromper. Ok, c'est ça. Alors, normalement... Ah, je peux pas les appeler tant qu'ils ont pas été re-hantés, je crois. Waouh, c'est extrêmement difficile à voir la trace, vous avez complètement raison. Je peux pas... Je voulais les rappeler. Oh, j'aurais dû en appeler un avant de désigner Chica, en fait. Ok, j'ai merdé, mais je commence à apprendre petit à petit le système du jeu. Je commence à voir comment ça fonctionne. Voilà. Le fantôme est de nouveau chez quelqu'un. Et maintenant on va rigoler. Dès que je le trouve, ou dès que je suis sûr de l'innocence de quelqu'un, je viens le réparer. Alors Foxy, y a pas de trace, hein. Que je sache, hein. Que je sache, y a pas de trace. Et tu étais seul, Foxy. À moins que ce soit autre chose et que cette fois-ci ce soit les lumières qui clignotent. Non, je pense que ce sera que la main. Foxy vient de partir, Chica ça va être à ton tour. Peut-être que Chica va me laisser une trace en partant. Est-ce qu'il y a une trace? Non. Foxy est revenu, j'arrive pas à voir. Foxy, je crois en toi. Je vais te réparer. Oh là là. Je peux pas les réparer, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je peux pas réparer les gens? Je peux réparer que au premier essai peut-être. Foxy. Foxy, j'ai confiance. Y'a pas de traces là sur la caméra. Ok. Foxy, j'ai full confiance. Ça c'est Foxy, pas besoin de regarder plus que ça. Mais à croire qu'il y a que Foxy dans le jeu. Il y avait la musique, y'a plus la musique. Non mais Foxy, arrête de me suivre, t'es bien. Mais pourquoi t'es à deux endroits différents toi? Ça c'est Freddy, ça je crois. Ils sont partis tous les deux. Non. Foxy est parti, y'a rien pour l'instant. Freddy parti. Est-ce que c'est une trace que je devine là? Est-ce que je devine une trace là? Là, ici, là? J'attends que quelqu'un disparaisse pour voir si la trace disparaît. Non, elle a l'air d'être toujours là. Non, elle est toujours là sur tous les écrans. Autant pour moi. C'est chaud, c'est super chaud. Donc ça c'est Chica, vas-y Chica va-t'en pour voir. Ah oui. Oh oui d'accord, trace, ok. Alors, donc, c'est Chica la méchante. Je peux pas les appeler. Je peux pas les réparer, ça me rend fou cette histoire. Attention. Ok, let's go. Mais pourquoi je peux pas les réparer? Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer pourquoi? Pourquoi je peux pas les réparer? Y'a quelqu'un là-dedans? Ah mais y'a quelqu'un là-dedans! C'est pour ça que je peux pas les réparer! Ça fait combien de temps que t'es là, toi? Il est venu lui tout seul? Mais comment c'est possible, ça? Mais j'ai jamais appelé. Je l'ai appelé? Tu l'as appelé? Mais pardon? Mais quoi? Mais jamais! Jamais j'ai fait ça! C'est pas vrai? Ok, y'a musique, Foxy, et ça là-bas, je sais pas qui c'est. On va attendre qu'un disparaisse. Mais jamais je l'ai appelé, mais c'est une putain de blague, vous me foutez de moi! J'ai pas fait ça! Je sais pas qui c'était, et dans tous les cas, y a pas la trace. Y a plus la musique non plus, donc c'était... Foxy vient de partir, est-ce qu'il y a une trace? Pas que je sache, ça c'est Freddy, on va attendre qu'il parte un petit peu, un petit coup.
Là, Foxy, la musique et le mec au fond, qui n'est pas Chica, donc j'imagine que c'était Bonnie. Voilà, le mec au fond, là, il est parti. Il y a de la trace, là. Oui, il y a la trace. Il y a une trace, là. Putain, c'est trop dur. C'était Freddy. Enfin, à moins que je confonde les persos, mais on est d'accord que c'était Freddy, là, celui que j'ai vu. Celui qui était à gauche. Ça, vous avez le droit de me le dire, par contre. Je reconnais pas bien les persos. Celui qui était à gauche à l'instant, est-ce que c'était bien Freddy? Vous me confirmez? Oui. Et dans le fond, là-bas, quand on voit tout petit, c'est Chica, c'est ça? Tiens! Qu'est-ce qu'il y a, là? Moi, je fais des investigations qui sont complétées ou quoi, là? Tiens! Poum! Ok, c'est Bonnie dans le fond. Bon, 7 minutes 51 encore. Ok. Freddy à gauche, Bonnie dans le fond. Mais Bonnie, elle est tout au loin. Et on reconnaît pas, on voit même pas les oreilles ou quoi que ce soit. Putain, qu'est-ce qu'il y a? Bien sûr que c'est GG, bien sûr. Épisode 1. Après avoir fini votre shift, qui est une touche du clavier, je rappelle, tu vas trop vite. La curiosité s'empare de toi, mais you don't know if you should. Tu ne sais pas si tu devrais regarder ceci ou pas. Je pense qu'on va le regarder, sauf si c'est juste pour un gros jumpscare, mais moi j'ai envie d'avoir du lore de jeu. Qu'est-ce que c'est? Bien sûr qu'on va regarder. Évidemment. Chut, chut, oh là là. Oh, c'est Mims. C'est quoi cette musique, pardon? C'est très bas le son. Ça veut dire qu'il va y avoir un gros jumpscare. Ça nous incite à monter le son. Et après, ça va nous exploser les oreilles. Vous faites pas avoir. Donc, Freddy Kawaii Chibi apporte une main. Oh là là, ça va péter à l'écran. Je le sais. Beware the Mangle. Il y a Mangle dans le jeu? Alors, m'engueule pas, surtout. Oh, c'est rigolo. Putain, elle va venir du plafond. Des conduits d'aération. Oh, on a vu Mangle dans l'ombre de Kawaii Chibi, Freddy. Oula, oula, ça devient de plus en plus rouge, tout ça, ça fait peur, on va continuer le numéro 3. J'ai besoin de faire pipi. Ce n'est pas du tout lié à mon état de stress et de peur, pas du tout, mais je vais aller faire pipi, je reviens dans quelques instants. Allez, à tout de suite, là. Alors, facecam, non, game 2, elle est là, on est là, on n'est pas là. Tiens, on va dézoomer un peu, pa, voilà, c'est pas mal ça. Hop. Oh putain, qu'est-ce que j'ai fait? Oh putain, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait 1x3, mais comment c'est possible ça? Je savais pas qu'il y avait un bouton qui existait pour faire ça. Ok, c'est bon, tout va bien, lave-toi les mains. Eh oh, alors déjà, t'es pas ma mère. Deuxièmement, je me lave les mains quand je tire la chasse d'eau. Il y a l'eau qui tombe dans les toilettes, j'en profite comme ça. Hop, là où j'ai fait pipi, je me lave les mains comme ça, je gagne du temps. Et je consomme moins d'eau. On y va? On part pour la suite? Et pas la musique? Continuez, nuit numéro 3. Let's go. Le Mangle. Wednesday, le jour du Wedned. Wedna? C'est quoi le Wedna? Le jour du Wedna? Alors, notre mini-jeu préféré. Ça n'a aucun sens. J'aime bien, ça part en cacahuète, j'aime bien en vrai. Mais du coup, si je me mets derrière toi. Ouais, t'as la tête qui suit, quoi. T'as la tête qui suit partout. Alors, bonjour, salut, buddy, ça va? I want well. Je sais pas. J'ai trouvé quelque chose. Qu'il faudrait que tu regardes. J'en sais rien. Oh! What's on your... Qu'est-ce que tu as en tête? Je pense que le fantôme left us un message. Ah, pour nous un message, mais le left, je comprends pas qu'est-ce qu'il fait dans la phrase. In the form of old school... Ah, une vieille cassette rétro. Une cassette vidéo, ah ouais? Oui, tout à fait. Je pense qu'il essaye de nous
transmettre un message. Un message par rapport à quoi? Je ne suis pas sûr, c'est juste une espèce de vieux dessin animé cartoon à l'ancienne, mais il y a quelque chose de very off, de vraiment éteint, de très, il y a quelque chose de très éteint à l'intérieur. Oh, comment se déroule la fin? Avec le Freddy qui a peur dans une pièce ou un animatronique avec une porte qui dit The Mangle. Un Mangle of Part. Alors, parce que jeu de mots, Mangle en anglais, ça veut dire quoi? Là, il y a un jeu de mots qui se passe. Là, il dit un Mangle of Part. Ça veut dire quoi, Mangle en anglais? C'est pas un... Qui veut dire que Mangle, elle est... Il y a plein de morceaux, c'est pas morceaux ou un truc comme ça. Écrasé, ça veut dire en anglais? Ah non, alors j'ai pas... Démembré, voilà, c'est ça, démembré. Donc, il y a l'idée de plein de morceaux différents. Et nous, on dit démembré. Et lui, il dit démembré de quoi? Et en gros, il y a un jeu de mots, mais c'est de l'anglais, on s'en fout. Pourquoi veux-tu que le fantôme ait besoin... Donc, répétition sur le jeu de mots. Peut-être que le fantôme a construit un nouveau corps et qu'elle a construit le Mangle. Le Mangle? Ah, je n'aime pas le la sonorité du mot. Laisse-moi voir la prochaine... étape que tu pourras m'aider, on en reparle juste après. Bonne chance. Bonne chance, allez on y va. Souhaitez-moi bonne chance aussi le chat, hein. Un peu de GL, un peu de GL dans le chat, de good luck s'il vous plaît. J'ai peur, ou que j'ai peur, je suis stressé, je suis pas bien, je... J'ai très peur, on vérifie vite fait qu'il n'y ait pas le... Ouais, il ne les a pas lui. Mais bon, ça coûtait rien de... Par contre ça descend super vite, ils sont déjà à 97, c'est pas normal. Est-ce que le fantôme est apparu quelque part déjà? Oui, non, on est la troisième nuit actuellement. J'ai pas peur. Je suis juste actuellement effrayé. Waouh, Chica, tu es pas jolie. Voilà. Le fantôme est entré dans un animatronique. Il n'y a pas de main pour l'instant. Mais je pense que ça va pas être le système des mains ni des clignotements, à mon avis. Je pense qu'on va me demander de faire gaffe à autre chose. Genre des personnages qui bougent, par exemple. Vérifier les mouvements des persos. La musique est là. Donc ça, c'est Bonnie, hein. De ce qu'on m'a dit. Oh, ma caméra, elle s'est réaxée. Bah, elle bouge toute seule. Elle bouge toute seule. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça veut dire que c'est Bonnie? Mais qu'est-ce qui se passe? Le jeu est possédé. Ça n'a pas de sens. Mais est-ce que ça sous-entend que c'est parce qu'il y a... Donc c'était Chica? Attendez, désolé. Désolé, faut que j'apprenne là. Est-ce que c'était Chica? Ça change de mécanique chaque nuit. D'accord, mais est-ce que ça sous-entend que la mécanique de la caméra qui bouge veut dire qu'il y a quelqu'un qui est l'intrus? Et vu qu'il n'y avait que Chica à ce moment-là, est-ce que ça veut dire que c'est Chica? Je m'en fous, je vais essayer, on verra bien ce que ça se passe. Si je perds, je suis désolé pour le jumpscare, attention. Ok, il y en a 5! J'ai appelé quelqu'un sans faire exprès! Je suis une couillasse! Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai appelé Balloon Boy sans faire exprès, alors que je voulais pas l'appeler. Et il y a Bonnie. Il y a quelqu'un d'autre. Ok, caméra qui bouge pas. Donc je dois attendre que la caméra bouge. Ah, ça y est, le fantôme est entré dans quelqu'un. Ça bouge pas. Ça bouge pas. On va juste attendre que ça bouge maintenant. Bouge pas. Oh putain, ma crainte c'est qu'elle ne bouge plus nulle part et c'est parce qu'en fait c'était Balloon Boy depuis le début. Oh, il y a une trace, Oh putain, c'était qui? J'ai pas suivi. J'ai pas suivi qui était là. Foxy? Non. Lui là-bas? Attends, on va. Non mais la trace est toujours là. Attends, faut que j'enlève la trace. Putain, la trace est là, je sais pas quoi faire. Bon, en tout cas c'est pas Balloon Boy donc je peux aller le réparer tranquillement, sereinement. C'était qui? À votre avis? Bon, du coup, l'autre là, je peux aller le réparer, du coup, tranquillement. Alors, ça va, il fait super peur. Tu fais super peur, mec. Il n'y a plus la main. Ça, c'est qui? C'est Foxy, vas-y, va-t'en. Il y a une trace ou pas? Je ne crois pas. Là-bas, il y a Bonnie. Vas-y, Bonnie, je pense que c'est Bonnie au fond. Ok, Bonnie n'est pas partie. Ok, Bonnie, putain, il y a tout le monde. Bon, il faut qu'il y en ait un qui parte là. S'il vous plaît, partez. S'il vous plaît, partez. C'est un petit violent là quand même, si vous partez pas. Ok, Foxy est parti, c'est pas lui. J'ai failli.
Ok, il y a une trace. Oui, il y a une trace. Je pense que c'est... Alors, déjà... Foxy, je crois en toi. Bonnie, j'ai un doute avec Chica, hein, je t'avoue. Je prends le risque. Ok, très bien. Très bien. Tant qu'on n'a pas le message qui nous dit que le fantôme est arrivé. Est-ce que le fantôme peut potentiellement arriver en cours de route dans Chica, dans Foxy pendant qu'il est chez moi, tu vois ce que je veux dire? Ça serait pas cool ça. Ça serait vraiment pas très cool. Ok. Allez, on repart. Le fantôme est arrivé. D'accord, donc ça me laisse le temps de gérer ça. Chica, il y a 5 à faire, mais ça va être une catastrophe. Ok, il n'y a rien qui se passe. Là-bas, il y a Bonnie. On va attendre que Bonnie parte. J'essaie de voir s'il y a des flashs. J'essaie de voir si la caméra bouge. J'essaie de voir s'il y a des traces. Qui est arrivé? Chica, on s'en fout. Chica? En vrai, Chica, pas de traces, pas de clignotement. J'aurais tendance à dire que Chica est safe et qu'on pourrait la réparer. Ok, Chica, Bonnie, pour l'instant, rien à signaler. Rien ici. Bonnie. Rien ici. Ok, ok, ça clignote. C'est le gameplay de la clignotage. Qui est là? Qui est là? J'entends pas la musique. Je vois personne. Je vois personne. Ça m'agace. Vous voyez quelqu'un? Oh putain, s'il y a quelqu'un, ça me rend fou ça. Bon, Chica, j'ai confiance, je vais la réparer. Par contre, je vois pas qui c'était. Chica. Allez, on l'appelle. Ah, ça m'agace. Oh, je suis quelqu'un de très agacé actuellement. Je vois pas où c'est. Je voyais pas qui était là. Vous avez vu quelqu'un? Non. Allez, Foxy, on va pouvoir le réparer aussi. Puisque c'est le gameplay du clignotage. Ouais, ça clignote un peu là. Non, pas tant. Bah si, ça clignote enfin. Mais y'a personne. J'ai dit que Foxy, je pouvais le réparer, mais Foxy, je l'ai déjà réparé en fait. Voilà, y'a vraiment plus personne d'un coup. Foxy, c'est tranquille. Ah, la musique! La musique clignote pas. Donc je vais réparer la musique. Oh putain! C'est lui! Ok, donc peut-être toi, je te répare. Et Balloon Boy, putain, si seulement j'avais pu le voir à temps. J'arriverai pas à faire 4. Oh, j'arriverai pas à faire 4, les gars. C'est super dur, c'est foutu là. Qu'est-ce qui se passe là? Je meurs dès qu'ils sont à 0? On est d'accord, hein? C'est ça l'histoire? Là, c'est terminé en fait. Dès qu'ils sont à 0, c'est fini. Je suis désolé pour le jumpscare. Waouh! Ça fait trop peur! Mais c'est super dur! Mais attends, c'est super dur! Tu te rends compte que si je fais l'erreur de ramener quelqu'un chez moi à réparer qui est le mec hanté. Catastrophe! On peut y arriver. Check les ballons Baby Stability. Il glitch. Ah, la stabilité de Balloon Boy, il glitch de temps en temps. Ah, ça c'est dur. Ah, faut penser à aller regarder ça aussi. Il descend déjà. C'est pas très cool. Et tu sais que j'ai déjà envie d'appeler Freddy comme ça. En fait, il y en a un qui est bloqué. Tu sais, il est bloqué comme ça. Je m'occupe de rien après. J'en ai plus que 5 à vérifier, tu vois. Regarde, le jeu a pas encore commencé. Le fantôme n'a pas encore atterri dans un animatronique. On est déjà à 14. Oh, 14, ça. Il m'a déjà bouffé 7% du jeu, ça va trop vite. C'est pas cool. C'est pas cool. Alors. Ok, ça bug de ouf. Allez, c'est bon. Normalement pour moi, il n'y a personne d'autre ici. Déjà, j'essaie de speedrun. On va dire que c'est Chica en premier. Oh, j'ai perdu. Je suis désolé, pardon. Ok, ça fait que descendre en fait. Bon, alors c'est pas Chica, du coup je l'appelle. Oh. Qu'est-ce que tu dis de ça? Mais je les ai persuadés que c'était Chica du coup. Foxy, Freddy. Y'a rien qui bug. Freddy et Foxy est parti, y'a pas de trace. Freddy est parti, y'a pas de trace. Rien ne se passe. C'est Freddy ça? Il a des palmes aux pieds, c'est bizarre. À moins que ce soit toi et que je me suis complètement gouré. Bon, peut-être pas.
Ok, Bonnie, ça a bougé là. Ok, ok, va pour Bonnie. Donc j'ai dit que Freddy c'était good. Hein. Freddy je l'appelle et je dis que c'est Bonnie. Ouais, c'est bon. Putain, j'ai eu de la chance de pas mourir tout à l'heure. Attends. Ah oui, c'est bon. Il est super dur ton jeu. Ce petit bruit là. Je vérifie que ce soit pas Balloon Boy. Non, c'est bon. Donc là, on va plutôt chercher la trace. Freddy vient de partir. Ok, à vous deux, j'attends que vous partiez aussi un petit peu. Pour voir s'il n'y a pas la petite trace. Allez-y, partez, 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 partez. Chica est partie, il n'y a rien. Freddy, Chica, mais je les ai déjà réparés, donc ça va. Foxy, faut que tu t'en ailles maintenant. Allez, va voir ailleurs si on y est, s'il te plaît. Bonnie vient d'arriver, d'accord. Foxy vient de partir, il n'y a pas de trace forcément. Bonnie, va-t'en. Bonnie, va-t'en une fois. Oh, what the fuck, ça bug sur Freddy. Et il y a personne d'autre que Freddy, mais ça buguait pas tout à l'heure. C'est bizarre ça. Mais il y a la musique aussi. Ça buguait pas. Je vais voir si ça bug quand Freddy s'en va aussi. Freddy, tu peux t'en aller? Allez. Pour moi, c'est Freddy. Donc, du coup. Oh putain, ils sont tellement bas! C'est pas normal d'être aussi bas! Hop! Non mais attendez, ils sont à 12! Mais comment je fais? Comment je fais? J'en ai fait que 2! Regarde, j'ai encore ces 4 là à réparer! Et rien que le temps que lui il arrive! Attendez, c'est super difficile à ce qu'on me demande! Rien que le temps que lui il arrive! J'ai déjà perdu! Ils descendent 2 par 2, mais pardon. Pourquoi ils descendent 2 par 2 aussi? Parce que j'ai fait une erreur, que j'en ai... C'est le fait de pas m'avoir tué au début, mais c'est mon malus. Oh ouais, c'est... Ah non, mais là c'est chaud. Si les lumières clignotent, la caméra trouve quelle animatronique cause cette anomalie et reporte-la. Ouais, j'ai compris. 5. 5, c'est dur, on aurait dû faire... Nuit 1, 1, nuit 2, 2, nuit 3, 3. Non, mais attends, si la nuit 3, c'est 5. La nuit 5, c'est quoi? 50? 1000? 1 milliard, peut-être? Pas possible. Par contre, j'aimerais utiliser ma théorie de j'en appelle un dès le début. Alors, je sais pas si ça vaut quelque chose. Hein. Et trop peur que le fantôme rentre dans Freddy. Mais on va dire que c'est un petit peu une chance sur 8, quoi, finalement. Alors. On peut pas bouger, non, on peut pas bouger comme ça. Le fantôme est toujours pas arrivé. Alors on va aller réparer Freddy en attendant. Super. Bonjour, 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 bonjour. Vous êtes là, Freddy, Bonnie, Chica, Foxy. Alors, ni Freddy, ni Bonnie, Chica. Y a pas de clignotement. Y a pas de traces. Il y a la musique aussi, putain, il y a tout le monde. Alors ça veut dire quoi, c'est Balloon Boy? Il y avait les 5 là en fait. Ah oh, putain, c'était Balloon Boy. J'aurais pu le pré-shot beaucoup plus rapidement, c'est dommage. Et je vais appeler Chica, on va les faire dans l'ordre. C'est pas simple. J'aurais pu le voir beaucoup plus rapidement dès le début. Pas simple du tout. Alors. Bah de toute façon, il est pas là encore. Ouvre-toi. Le fantôme ne peut pas enterrer ma truc déjà sur le tapis roulant. C'est une très bonne nouvelle, merci, c'est vraiment l'info qu'il me fallait ça. Vraiment. Merci beaucoup. Le fantôme est entré dans un animatronique énorme. Alors. Là, on a Foxy. Très bien, on n'a pas la musique, on n'a personne. Foxy, t'es safe, t'es pas safe. Il s'en va, y a pas de trace, ça n'a pas clignoté. Y a pas de trace non plus, c'était Bonnie, ça n'a pas clignoté. Bonnie, il est là-bas, je m'en fous maintenant. Allez, Bonnie, Foxy, safe. Freddy, la musique. Est-ce qu'un des deux va partir? Il va me laisser une belle trace. Les deux sont partis, il n'y a pas de trace, il n'y a rien. Oh là là, ça pue. Est-ce que c'est encore une fois Balloon Boy? Non. Ça pue.
Ça pue. Compliqué pour moi. Chica, je t'ai pas. Chica, je t'ai vu. Je me souviens plus déjà. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre là? Pas de traces, pas de clignotement. Vous êtes beaucoup là. Vous êtes deux. Chica, t'es de nouveau là. La musique aussi. Pas de clignotement, pas de caméra qui bouge. Pas de marque sur l'écran. Oh merde, mais qu'est-ce que je dois faire là? Vous voyez ce que je dois faire? Je vais me faire buter. Vous voyez ce que je dois faire? Là, vous êtes, les gars, vous êtes 4. Il y a même 5 avec la musique. Il y a une trace! Ok, c'était Foxy, puisque la musique était encore là. C'était Foxy. Alors, celui qui en a le moins, on va appeler toi. Et maintenant, je vais sélectionner Foxy. Mec, j'en ai fait que deux! J'en ai fait que deux! Je suis dans la sauce, j'y arrive pas! Il est trop dur ton jeu! Il m'engueule? Ah, je m'engueule, je sais pas. Je sais pas où elle est, m'engueule. Alors, m'engueule pas, du coup, s'il te plaît, merci. Hop là, allez, on y va. Dès qu'on entend le bruit. Ok. Allez, on y va. Ok, le fantôme est rentré chez quelqu'un, c'est super! Pas de clignotement. Ça clignote. Clignotement, c'est ce qu'il y a de plus simple à voir. Il n'y a pas un des deux qui veut partir là? Pas de trace. C'était Chica, Freddy. Pas de trace, on est d'accord. Ok, la caméra bug. Il y a Foxy, il n'y a personne d'autre. Mais il y a la musique aussi. C'est Foxy ou la musique? Alors, c'est Foxy ou la musique dans tous les cas. Donc, je vais appeler Chica. C'est Foxy ou la musique, j'ai dit. Il faut que je les trouve. Il y a la musique. Ça bug pas. Donc pour moi, c'est Foxy. J'espère que je me trompe pas. Ok, let's go. Non mais ton gameplay est beaucoup trop compliqué. Attends, le fantôme, il est pas rentré encore là. Donc je peux en appeler peut-être un autre. Il y a eu écrit que le fantôme était entré pour l'instant ou pas? Est-ce que je peux en faire deux d'affilée à chaque fois que j'en trouve un peut-être? Oh, j'espère que j'ai pas fait une connerie là. Voilà, le fantôme vient d'entrer. On écoute bien. Là, il y avait Chica, Bonnie, il s'est rien passé. Pas de clignotement. Ok, Foxy est là. J'espère que j'ai pas fait d'erreur. Hein. Balloon Boy, vite fait. Balloon Boy, ça va. Merde! Trace là, vas-y. Faut que j'attende que... Ah si, il y a une trace là. Il y a une trace, mais je sais pas qui était là en fait. J'ai aucune idée de qui était là avant. Ok, faut regarder les traces, les gars. Oh non, c'est trop dur. Comment je fais pour réinitialiser la trace là? Ok. Donc ça se joue sur les traces. D'accord. Donc déjà, si c'est des traces, c'est pas Balloon Boy. Donc Balloon Boy, je peux l'appeler. Enfin, je crois, hein, Balloon Boy, il est pas aux caméras, donc je peux l'appeler. Chica, Bonnie, allez, une de deux, partez. Les deux sont partis. Il n'y a pas de trace. Foxy, c'est soit Foxy, soit la musique. Ou soit Freddy. Foxy, la musique. C'est pas Foxy, c'est soit la musique, soit Freddy. Ah, la musique s'est arrêtée. Je pense que c'est Freddy. J'ai des doutes sur Freddy. Où est Freddy? Freddy, tu es là? Freddy, tu es où? Freddy. Je vais manger un jumpscare dans pas longtemps. Vous voulez réparer l'autre? Ok. Ça pue ou pas? Oh, Freddy, t'es celui qui pue le plus là. Freddy? Non, pas Freddy. Freddy? Attends, il était là? Il était là? Ok, Freddy. Oh, vas-y, j'y vais au culot, tant pis. Tant pis, désolé si je meurs. Oh putain, j'ai perdu. Je suis désolé. Il faut que j'y aille, hein. Je suis désolé, il faut que j'y aille. Parce que Freddy, il était à 4 si je l'appelais. Mais j'étais persuadé que c'était Freddy. Oh, il est trop dur ton jeu, mec. Mais je te jure, il est trop dur. Il est trop dur.
Oh là 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 là. Je suis à la nuit 3, il est tellement difficile. Mais ça va, la nuit 3 s'est passé encore mieux que la 1. Mais... Ouah, le gars, tu me laisses zéro répit. Tu me laisses zéro chance. Bon, on va recommencer, c'est pas grave. Mais... Allez, animatronique, Freddy, on t'appelle. Et si je garde Freddy ou n'importe quel animatronique dans la salle de réparation pendant un long moment? Qu'est-ce qui se passe? Il y a un truc qui se passe en particulier? Il m'attaque ou on s'en fout? Vous le savez ça ou pas? C'est quand il veut le fantôme pour nous rejoindre. Ok, le fantôme est entré quelque part. Et c'est pas Freddy. Est-ce que ça clignote? Non, Foxy, je vais te laisser le temps de partir, vite fait, s'il te plaît, pour voir s'il y a de la trace. Allez, une chance sur 6. Pas de trace, malheureusement. Foxy, donc Foxy, je... Oh, ok. Yaki. Y a Bonnie. Ok, y a Bonnie. Allez, on va réparer Freddy. Moi, j'estime que c'est Bonnie. Donc, je vais appeler toi et Bonnie. Je me suis gouré. Comment ça, je me suis gouré, mais c'est pas vrai! Attends, et là, à partir de là, ça fait 2 par 2? Non mais vas-y, vas-y, je la recommence la nuit, t'es ouf. T'es ouf, je la recommence. Non mais déjà que 1 par 1, j'y arrive pas, alors 2 par 2, laisse tomber, je fais pas ça moi. Il y avait la musique, ah je l'ai pas entendu la musique. Erreur de deb. Erreur de débutant. Oh, je me suis fait avoir. Tant pis. Ah mais c'est pour ça des fois aussi que je vois la musique. Et enfin que je vois qu'il y a personne et je me dis mais ça bug! Et en fait c'était qu'il y avait la musique et peut-être ça je le capte pas encore. Hop, allez, tac 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 tac, on n'a pas le temps, on va se coucher, c'est parti, let's go. Alors. Allez, toi, tu vas venir avec nous et on va attendre que le fantôme arrive. En fait, ce qu'il faudrait, c'est que je sache qui est le fantôme, je répare Freddy, je signale le fantôme et je répare quelqu'un d'autre dans la foulée. Ça serait un bon move à faire, ça. Une bonne strat. Allez, le fantôme, c'est quand tu veux pour arriver parce que tu veux perdre des pourcents là. Dépêche-toi. Allez. Le fantôme est arrivé. Alors. Pas de marque. Pas de marque. Ça n'a pas forcément clignoté. Non. 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 C'est le plus compliqué, ça. C'est de deviner qu'est-ce qui. Ah, c'est Balloon Boy. Non, c'est pas Balloon Boy, autant pour moi. Bon, je vais m'occuper de ça. Parce qu'il faut pas le faire attendre trop longtemps, sinon après il va peut-être m'attaquer. Bon, là, il se passe rien. Et vous êtes, les gars, vous êtes 4. Peut-être c'était Freddy. Ah! La caméra bug? La caméra bug, ok. Il n'y a pas la musique. Foxy, Bonnie. On va attendre de voir qu'un des deux s'en va. Les deux sont partis, je suis dans la merde. Ok, Bonnie, Foxy sont encore ensemble, c'est un régal! Ok, Bonnie est encore là. Ah, ok, alors c'est validé pour Bonnie. J'invite quelqu'un d'autre à venir, genre toi par exemple. Et Bonnie. Let's go. Alors. Vous allez entendre le son en double, je pense. Mon casque, je l'ai mis un peu plus proche de moi pour mieux l'entendre. Là, il n'y a pas encore eu le message pour dire que... Ok. J'aurais dû être plus rapide. Chica Foxy, pas de marque, j'ai l'impression. Chica, tu veux t'en aller peut-être? T'hésites pas, va-t'en. Pas de marque non plus. Chica Foxy, j'y crois. Chica, elle est là, la musique était là. On cherche les clignotements maintenant, peut-être. Oh, sans déconner. J'ai appelé quelqu'un ou pas là, au fait? Non, j'ai appelé personne. Pas de marque à l'écran. Pas de marque à l'écran. Freddy, tu t'en vas? Tu nous laisses une petite marque peut-être? S'il te plaît, dépêche-toi. Dépêche-toi, dépêche-toi, dépêche-toi. Pas de marque à l'écran, ça pue ça.
Pas de clignotement, pas de marque. Qu'est-ce que je dois trouver là? Pas de caméra qui bug. Putain, c'est Balloon Boy. Je suis une merde. Je suis une énorme merde. Pourquoi j'y pense pas avant? Pourquoi j'y pense pas avant? C'est fou! C'est incroyable de ce gameplay. Il m'offre la réponse, mais j'arrive pas à y penser avant. Je suis trop con. Je suis désolé, je suis trop con. Allez, faut faire vite et faut essayer d'en ramener un autre là, vite fait. Avant que le fantôme arrive, hop. Merde, bon, ben voilà, j'ai foiré. Le fantôme est arrivé, RIP. In puas. Allez, vous êtes trois. Il y a une marque. Il n'y a pas de marque. Il y a une marque. Il y a une marque. Mais la marque était là avant, quand il y avait Bonnie et Chica, en fait. Donc déjà, Bonnie et Chica, c'est réglé. C'est un des deux. Donc je peux sauver, par exemple, toi. Bah, oui, tout à fait. Il faut que je sois sûr de quel des deux c'est. Bonnie ou Chica. Faut que je les trouve rapidement. Voilà, Bonnie vient de partir. Pas de traces. Est-ce que c'est sûr à 100%? Vas-y, Chica, va-t'en, laisse-moi une trace, s'il te plaît. Laisse-moi une trace, s'il te plaît. Laisse-moi une trace, s'il te plaît. Je vois pas de trace. Ça peut être un peu n'importe où, peut-être. Il faut que je cherche. Ou peut-être c'était Foxy qui m'a laissé la trace, en fait. Je m'en suis pas rendu compte. Il y a la trace, mais je sais pas si c'est réellement Foxy ou pas. Je peux pas le valider, ça. Je suis désolé, je peux pas le valider. Je suis pas sûr à 100%. Ok. La Chica vient de partir, je vois pas de trace. Par contre, il y a Foxy ici. Je vais laisser Foxy partir. Bon, Foxy est toujours là. La musique est partie aussi. Putain, il y a l'autre qui m'attend pour être réparé, c'est long. Il y a pas de trace. Je comprends pas. Je comprends pas. Vraiment, je comprends pas. C'est en kikinant tout ça. Il y a vraiment une histoire de trace. Là. C'est un de vous. Bonnie, Chica, Freddy. Partez. Foxy est parti. Donc c'est Chica. Chica est parti, il n'y a pas la trace. C'était Bonnie. C'était Bonnie. Depuis le début, c'est Bonnie. Je m'en rends pas compte. Je valide Bonnie. Au culot, parce que sinon je peux pas faire mieux. Toi, je t'appelle. Je valide Bonnie. Et j'espère que je me trompe pas. Ok. Il faut que j'appelle Bonnie juste après. Faut que j'aille vite. Et j'appelle Bonnie, faut pas que le fantôme arrive trop vite. Il y avait une trace pour Foxy. Eh ben non, c'était Bonnie. T'es. Et voilà. Je suis au taquet. Ouais, tu fais super peur toi par contre. Allez, je l'ai appelé avant que le fantôme arrive. Et ça c'est plutôt bien. Hein. Alors, le fantôme est quelque part actuellement. Je vois personne. Où êtes-vous? Pas de clignotement. Rien. C'est bizarre ça, y a personne. Ok, vous êtes tous là. Clignotement. Ok. Foxy, Freddy, Chica. Freddy, Chica, pas la musique. C'est un des deux. Freddy, Chica, c'est un des deux. C'est Freddy ou Chica. Cette strat est incroyable. Donc je répète, c'est Freddy ou Chica. Ils veulent pas se déplacer. Ok. C'est Chica. C'est Chica. Et Chica, d'ailleurs, faudra l'appeler aussi. Oh, j'appelle Freddy tant que j'y suis. Ok, let's go. Okay, let's go là. Et après, on va appeler Chica pour la réparer. Et on sera plutôt bien. Et après, ça sera Foxy qu'il faudra appeler à réparer. Mais là, Freddy, c'est une urgence. Putain, le fantôme est rentré au moment où j'ai cliqué, je crois que je suis mort. Une chance sur 6 de mourir, c'est bon pour vous? Ça va? Vous êtes 3 ici, il y a rien qui se passe. Pas de traces, pas de clignotement. Oh putain, si j'ai appelé Chica et que c'était pas toi. L'envie de crever. Vas-y, va-t'en. Est-ce qu'il y a une trace? Il n'y a pas de trace, c'était aucun de vous trois. Super. Oh putain. Je suspecte que ce soit Chica. Ou alors il y a des numéros. Let's go les numéros. Let's go les numéros.
7 minutes 51. En fait, à chaque partie, c'est ça. Un peu moins de 8 minutes. Hein. C'est long, 8 minutes, putain. Bon, au moins, j'avais Chica qui était là, qui allait être réparée. Franchement, j'aurais pu tenir un round de plus. C'est extrêmement difficile. Mais bien sûr qu'on va regarder. J'ai l'impression que c'est... Faut surtout pas le faire. Après avoir fini ton boulot, tu tombes sur une VHS. La curiosité te mange de l'intérieur. Est-ce que tu veux aller la regarder? Alors, regarde. Le jumpscare. Vas-y, montre-moi ça. Alors, faites attention au piège du son, hein, s'il est faible. Donc c'est Mangle, mais fait avec des petits morceaux de papier démembrés, justement. Ah, Bonnie, ça va? Bonnie, on dirait un lapin crétin, hein. Vraiment. Bonnie crétin. Ouh, il est pas en forme, là, Freddy, il est pas... Ça va pas de ouf. La nuit 3 vient d'être terminée, oui. Tout à fait. Et d'ailleurs, pour fêter ça, je coupe mon micro. Et hop là. Et bien, c'est Bonnie qui ramène un genou, je crois, ou quelque chose comme ça. Une jambe. Freddy qui regarde une photo de lui, son pote. Je comprends pas trop. Mais je sens qu'il y a quelque chose qui m'est dit, mais je comprends. Oh, il y a du sang, là! Le sang, il était pas avant. Hop là, qu'est-ce que j'ai là? Oh. Bon. Ça fait des caries, mais c'est pas grave. On continue? Continuons. J'ai trop peur. Thursday, le jour du Thurs. Qu'est-ce que le Thurs? Thurs, c'est peut-être un prénom. Le jour de... Peut-être l'anniversaire de quelqu'un. Un nouvel ami! Oh! Tu le sens qu'il va y avoir un nouvel animatronique dans le gameplay? Déjà que c'est pas facile jusque-là. Tu le sens, ça, ou pas? Allez, le petit mini-jeu, là, qui s'ouvre. On va se mettre sur le cerveau. Let's go, le cerveau. Elle est cerveau. Oh! Eh ben alors, qu'est-ce que ça veut dire que ça? Oh! Je vais monter en haut de l'échelle. Appuie sur espace pour continuer. Est-ce qu'on appuie sur espace pour continuer? Pas trop envie, moi. Je vais faire une mini-pause très rapide. Je vais lire les subs, qu'il y en a eu quelques-uns. Je sais pas du tout où je m'étais arrêté. Je vais reprendre au hasard. Je sais pas où est-ce que je m'étais arrêté. Oh merde. Ah oui, si, je l'avais lu. Lugna, je l'avais lu. Anoudri, je l'avais lu. Mekool66, je sais plus, je l'avais lu. Merci beaucoup pour les 2 mois de resub. Formovex, merci pour les 5 mois. Kenesai, merci pour le sub offert. Superlight FR, merci pour les 11 mois. Just Amy, merci pour les 22 mois. Curiolas, merci pour les 2 mois. M. Tizo, merci pour les 2 mois. Teru, merci pour les 27 mois. Mefeles, merci pour les 37 mois. Mina Noël, merci pour le tier 1 pour la première fois de ta vie. Bienvenue. Pas moi YouTube, merci pour le Prime. Bienvenue. Mina Noël a offert un sub, merci beaucoup. Gesswan, merci pour le Prime. Pour la première fois de ta vie. Elisabeth, merci pour les 29 mois de resub. Dust Sans 2003, merci pour les 4 mois, j'espère que tu vas bien. Isoshi, merci pour le Prime. Et de même, merci à Dab Storm qui ont tous les deux subs pour la première fois de toute leur vie. À vous deux. Shylunx, merci pour les 21 mois. On a ensuite Poichiche qui a sub en Prime, mais aussi Pollen qui a sub en Prime. Les deux pour la première fois de leur vie, ce sont des nouveaux. On vous souhaite à tous les nouveaux la bienvenue. Bonsoir, bienvenue. Nous avons ensuite Poigné qui a resub pour son 9e mois, Blaze352 qui a resub pour son 13e mois, merci de t'être réabonné, et enfin Améthyste qui a resub pour son 4e mois, merci beaucoup, on appuie sur espace. Nous avons couru en dehors du temps, ah bon, mon investigation qui d'ailleurs est complète se termine bientôt. Comment troubler, je sais pas. Nous avons besoin de signaler au fantôme à l'intérieur de JR, qui est donc le nom de l'endroit, et la chose qui protège le plus, le Mangle. Le fantôme protège Mangle. Exactement. Donc ça, c'est Freddy qui parle. Mais maintenant, elle sait que je suis avec toi. Je suis ce qu'elle recherche. Elle devra me passer sur le corps d'abord, en premier ou je sais pas quoi. Putain, il s'est vachement mis dans la peau du protecteur, le mec, alors qu'au début, il voulait juste rentrer chez lui. Ah, attention, j'ai plus le chat sous les yeux, c'est pas normal. C'est normal, j'en profite, je coupe mon micro de...
Et je suis de retour. Alors, après la prochaine nuit, nous allons prendre le fantôme par surprise. Nous allons sneak, attendre à l'intérieur du sous-sol et figure it out from there et sortir de là où je sais pas. I'm glad. Glad ? C'est-à-dire quoi ? J'ai hâte ? Non, je sais plus ce que dire. I'm glad. Ou alors je suis heureux d'avoir un ami comme toi. Ah oui, c'est ça. Je suis heureux d'avoir un ami comme toi. Je me souviens pas la dernière fois où j'ai eu quelqu'un à qui parler. Pour depuis un moment, enfin ça fait un moment que j'arrive pas à m'en rappeler. Enfin du maximum que je puisse me souvenir, c'est juste avec moi-même et les esprits qui parlaient, j'imagine. Il veut dire. C'est cool de pouvoir échanger en paix, tu sais. Enfin je pense que c'est ce qu'il dit, mais en fait j'en sais rien du tout que c'est ce qu'il dit. Je sais pas. J'invente, je veux créer mon propre scénario. Ça va les modos d'ailleurs. J'en profite, petit check-up là de la modération là sur Discord. Ça va mieux depuis tout à l'heure. Ça se passe bien ou pas? Avoir un ami comme toi, c'est around. Ça veut dire qu'on tourne sur soi-même. C'est une expression anglaise de dire je suis tellement heureux que je tourne sur moi-même, tu vois. C'est peut-être faux, désolé. Toujours debout, oui, c'est mieux. Toujours vivant. D'accord. D'accord. Je vous souhaite beaucoup de courage les modos. J'espère que ça se passe bien. Tu l'as dit, quoi que nous attendions maintenant dans le sous-sol, le mangle is nothing we can't angle together. Il va pas nous séparer en gros. Voilà, c'est un jeu de mots sur mangle qui veut dire séparer. Il va pas nous séparer, j'en sais rien. Voilà, c'est énorme. C'est énorme. Oh putain, ça commence direct. Oh putain, j'ai trop peur là, ça se voit que j'ai peur. J'ai peur. Ah là là. Ouh, c'est reparti. Alors, c'est quoi le nouveau gameplay? Est-ce qu'on a du clignotement? De toute façon, le fantôme n'est pas encore là, dans tous les cas. Donc déjà, j'ai sauvé Freddy. C'est une bonne strat. C'est quand tu veux le fantôme pour venir, par contre. Voilà, le fantôme est là. Il y a personne. D'accord, j'adore ça. C'est génial. Il y a rien. Ok, Freddy est arrivé. Ok, d'accord, ça rigole pas du tout, là, cette histoire de connexion de... Ça a l'air super dur. Foxy. Foxy et la musique. Hein. Pas de clignotement. J'essaie de voir s'il n'y a pas une petite trace qui va apparaître quand l'un va partir. Ni l'un ni l'autre, Foxy et Freddy, c'est plutôt tranquille. Donc vas-y, je mise... J'y vais au culot maintenant. Foxy et Freddy... Foxy et la musique, vous êtes tranquille, donc je vais dire que j'appelle Foxy maintenant. Et après, j'appellerai la musique si j'ai pas trouvé d'ici là. Freddy, tu es là. Énorme. Mais ça peut pas être toi, Freddy, j'y crois pas. Ok, j'ai perdu la connexion. Y a-t-il quelqu'un ici? Rien. Ça ne clignote pas. Je n'aime pas trop ça, que ça clignote pas. Y a rien du tout ici. Y'a personne. Y'a... Oh putain, c'est Balloon Boy. Je l'ai pas vu. Non, c'est pas lui. C'est pas lui. Autant pour moi. Au moins, j'ai vérifié. Ça coûte rien de vérifier. Y a-t-il quelqu'un ici? Chica? Je t'ai pas vu depuis le début, Chica. Est-ce que tu vas me laisser une belle petite trace? Est-ce que tu bouges? Je vois pas de trace particulière à l'écran. Non. Est-ce que ce serait Foxy? Je me suis gouré en l'appelant. Impossible que je me sois trompé. La porte est ouverte, je sais pas si c'est normal ça. Je me souviens pas qu'il y avait une porte ici. La musique est là. Connexion perdue. Ah mais peut-être que c'est ça la blague. C'est que c'est quelqu'un qui fait perdre la connexion. Je comprends maintenant. Ok, on va réparer Foxy. La personne qui fait perdre la connexion, c'est lui le problème. Donc c'est soit Foxy, soit la musique. Donc du coup je peux réparer quelqu'un d'autre pour l'instant. Si c'est pas Foxy, c'est pas la musique, je vais appeler Non, je veux dire Chica, c'est soit Chica, soit la musique, je veux dire. Chica. Chica est partie. Alors, est-ce que j'ai compris? Je dis que c'est la musique. La musique, c'est... Oh, j'ai un doute. C'est toi, la musique. On va voir si j'ai compris ou pas le jeu. Je suis une énorme merde. Énorme. Oh! Putain, elle m'a fait peur! C'était Bonnie! J'ai pas compris. J'ai pas compris. Pourquoi c'était Bonnie? Donc du coup, ma théorie, c'est que c'est celui qui fait s'éteindre les caméras, que c'est lui le problème. Mais le problème, c'est qu'il y avait la musique et Chica, et peut-être qu'il y avait Bonnie, je l'ai pas vu. Je l'ai peut-être pas vu. Alors, regarde dans les caméras, je vais quand même traduire ça, ça a peut-être son importance. Vas-y, vas-y, je reste concentré. Hop là, attention. Hop là, et on va traduire. Attention. Alors, regardez autour des caméras pour repérer des indices tels que des traces de... Oh putain, mais je l'ai déjà lu ça, frérot. Frérot. J'ai déjà lu ça, frérot. On recommence.
Allez, toi je t'appelle. Allô? Allô Freddy? Allô? Allez. Donc, peut-être que c'est pas du tout ça la théorie. Peut-être que le fait que les caméras s'éteignent, c'est juste pour nous embêter. Et peut-être que c'est pas ça, mais je pense que c'est ça. On va attendre que quelqu'un arrive. Ok. Bonnie, Foxy. Ou alors c'est pendant qu'il y a une caméra éteinte quelque part qu'il faut vérifier où sont tous les autres. Tu vois ce que je veux dire? C'est trop dur. Bonnie est ici. Oh non, c'est trop dur, comment je peux deviner? Faut que je regarde ailleurs où est-ce qu'ils sont, les autres. Mais j'en vois qu'un seul. Y'a qui là? Foxy? Non, c'est pas Foxy. Ah si, c'est peut-être Foxy. Je n'en sais rien. Oh, je comprends pas. Est-ce que c'est quand il arrive qui fait bugger? Ou que c'est quand il part qui fait bugger? Est-ce que quelqu'un peut me donner la réponse dans le chat? Là, je prends. Je prends avec plaisir même. Là, il y avait Foxy. Ça tourne beaucoup autour de Foxy, hein. Ou pas, en fait. Non, il faut que je regarde où sont les autres. Allez, juste pour le... juste pour voir si j'ai compris ou pas, je vais essayer Foxy. Je suis désolé. Je préfère perdre. Je suis désolé. Non, alors, comment je peux deviner si je vois pas? C'est instantané. Si tu vois Foxy, c'est que c'est pas lui. Si je vois le perso, c'est que c'est pas lui. Donc c'est ça. Quand il y a une caméra qui est éteinte... En fait, le but du jeu, c'est de chercher les 6 persos. Et dès que j'ai réussi à lister 5 persos, moins 1 parce qu'il est sur le tapis, dès que j'ai réussi à lister 4 persos, c'est-à-dire que c'est le cinquième qui est l'imposteur. Si j'ai bien suivi. Est-ce que j'ai bien suivi? J'espère que j'ai bien suivi. On recommence. Ok, donc maintenant je dois chercher celui que je ne vois pas. C'est... en vrai, c'est... je trouve ça très intéressant comme gameplay. Je trouve ça vraiment cool. Ok, ok. Je vais jouer de la sorte. T'inquiète pas, on va y arriver. On va faire toutes les caméras, on attend que le... ok, il est là. Alors, j'ai vu Chica. Chica, c'est bon. Ici... il y a quelqu'un. Chica, c'est bon, on a dit. Ok, connexion perdue ici. Je vais replacer les caméras. Oh, Chica, j'ai compris que c'était pas toi. Chica, au moins, je sais que je vais pouvoir l'appeler sans trop stresser. Voilà, il n'y a pas Bonnie, il n'y a pas Foxy. Il y a la musique. Chica, la musique, c'est bon. Il manque Bonnie. Bonnie, Foxy. Ça, c'est toujours Chica. Bonnie, Foxy. Il faut que j'en trouve un des deux. Voilà, il est là-dedans. Bonnie ou Foxy? Alors, on va réparer Freddy. Bonnie ou Foxy. Donc la musique déjà, je peux la réparer. C'est pas facile. Hein. Oh. Bonnie ou Foxy, j'en vois aucun des deux. C'est peut-être les deux au final. Très bien. Bonnie ou Foxy quelque part. Putain, c'est dingue. C'est dingue, j'en trouve aucun des deux. Ni Bonnie ni Foxy. Mais c'est quand même incroyable. C'est qui ça? C'est Freddy? C'est Freddy parce que je l'ai rappelé tout à l'heure. Putain. C'est soit Bonnie, soit Foxy, j'ai dit. Donc toi, je peux t'appeler. Mais tant que je sais pas. Il n'y en a aucun des deux. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais les deux sont... se sont mis ensemble là ou quoi là? C'est Bonnie ça? Ok, je vois Bonnie. Donc c'est validé. C'est Foxy le méchant. Ok, très bien. Et là on rappelle celui qui est le plus bas qui est... bah, par exemple toi du coup. J'aime beaucoup le gameplay tellement c'est difficile, hein. Mais ça force à se concentrer, j'aime beaucoup. Le ghost, le fantôme est arrivé, est-ce qu'il y a une caméra éteinte quelque part? Non, une caméra qui clignote. Salut Bonnie, ça va?
La musique est ici, ça clignote pas. Ah, tu peux être là, toi. Ok. Pas de trace ici, j'ai l'impression. Bonnie est ici. Ah, ça clignote. Ok. Freddy, Chica ou la musique. Freddy, Chica ou la musique. Je répète, Freddy, Chica ou la musique. Freddy, Chica ou la musique. Freddy, Chica ou la musique. Donc du coup, je vais appeler le lapin. Puisque je lui fais confiance. C'est Freddy, Chica ou la musique. C'est Chica. Chica, il n'y a que Chica. Il n'y a pas la musique, il n'y a pas Freddy. Il n'y a que Chica. Ok, donc... Pour moi, c'est Chica. J'ai bien fait de pas l'appeler. Et on va rappeler quelqu'un rapidement. Chica, justement. Voilà, ça m'en enlève un. Et là, attention, on va pas tarder à repartir. Le fantôme est arrivé. Ça clignote. Ça clignote fort. Ça clignote sur Bonnie et Foxy. Et je crois même que c'était que Bonnie. Hein. Ça clignote fort sur Bonnie et Foxy. Bonnie, Foxy. C'est Bonnie. L'imposteur, c'est Bonnie. Hop là, hop là, hop là, hop là. Calme-toi, calme-toi. L'imposteur, c'est Bonnie. Donc on va appeler Freddy. On va dire que Bonnie, c'est le méchant. On va attendre un petit peu d'abord que Freddy arrive. Et c'est parti. Hop là. Allez, on spam, on spam, on spam. Il faudra qu'on rappelle quelqu'un d'autre après. Ok, c'est parti. Le fantôme est arrivé, je peux pas appeler quelqu'un d'autre, il m'a bien eu le jeu, bravo, tu es trop fort. Hein. Alors, est-ce que... Ok, connexion perdue, c'était Freddy, c'était Chica. Freddy et Chica, j'ai vu pour l'instant. Freddy, Chica. Freddy, Chica, j'ai personne dans le train pour l'instant. Freddy, Chica. Oh, c'est vraiment pas facile ça. Ah, la musique! Il y avait la musique là. Est-ce que ça peut pas être Balloon Boy des fois? Freddy, Chica, ils sont safe. Freddy, Chica sont safe, j'ai dit. Donc, Freddy, Chica sont safe. Je peux en appeler aucun de eux. Freddy, Chica, safe. C'est Foxy ou Bonnie? Freddy, Chica, c'est Foxy ou Bonnie? Je cherche Foxy ou Bonnie. S'il vous plaît, Foxy, Bonnie. Foxy, Bonnie. Bien qu'il y ait la musique là. Oh, Foxy, Bonnie. Ok, c'est Foxy, le méchant. Je vais appeler toi. Let's go. Et après, on va appeler... Donc, j'ai appelé toi. On va appeler toi après. Si j'arrive à le faire assez vite. Le fantôme est déjà rentré dans un animatronique, je suis une merde d'avoir été aussi rapide. Ça clignote? Lourd. Non, ça clignote pas? Autant pour moi. Est-ce que l'un de vous veut partir vite fait, montrer une petite trace sur le... Petite trace sur l'écran, je sais pas. Vous êtes partis tous les trois, il n'y a pas de trace. Ça sent bon ça. Ça va Foxy? Attends, Foxy t'es parti. Il n'y a pas de trace, je veux juste vérifier que c'est pas Balloon Boy des fois. Ok, parce que je l'ai quand même fait venir, mais j'ai pris un gros risque. Hein. Pas de caméra qui bug, pas d'écran noir. Ah si, écran noir. Non? Ok, je suspecte Bonnie. Je suspecte Bonnie, ok. Je suspecte Bonnie, je répète. Je suspecte Bonnie. Bonnie, 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 tu es là, peut-être? Bonnie, tu es ici? Ouais, je suspecte fort Bonnie. Mais il y a la musique aussi, il faut que je fasse gaffe. La musique est toujours là? Ok. Bonnie. Bonnie, Bonnie, Bonnie. Bonnie, Bonnie, Bonnie. Où tu peux être, Bonnie? Faut que tu sois solo, Bonnie. Putain, les gars. Je suspecte Bonnie, je répète. Hop, ça a l'air d'aller pour tout le monde.
Il y aura juste Foxy après à appeler. Je veux être sûr, je veux pas recommencer. Je veux être sûr de pas faire une connerie. Ouais, allez, c'est bon. Pour moi, c'est Bonnie. 100% c'est Bonnie. Alors, toi, je t'appelle. Et Bonnie, c'est parti. C'est bon, c'est parfait. Et juste après, on va appeler... Chica, c'est ça? Non. Oh oui, bah Bonnie lui-même. On va appeler Bonnie lui-même, ok. Le gosse est rentré. Oh putain. Oh putain, le gosse est déjà là. Ça clignote là? Non, ça clignote pas? Ça clignotait un peu. Hein. Musique. Rien de particulier. Foxy, ça va? Je crois que ça clignotait. Je suis pas sûr. Ouais, attends. Ouais. J'ai un doute sur Bonnie, encore. J'ai encore un doute sur Bonnie. Vraiment. Oh, mais Bonnie, c'est celui que je dois appeler pour réparer, ça pue. Je vais me focus sur Bonnie. Je pense que c'est lui. Ouais, c'est les flashs noirs, regarde. Là, il y a personne. Il y a musique, Foxy, Bonnie. Il y a Bonnie, musique. Y a... C'est Bonnie. Franchement, si c'est pas Bonnie... Let's go! Wouh! C'était plus facile la nuit 4 que la nuit 3, c'est incroyable ça! Ouais, j'ai préféré jouer l'assurance parce que imagine c'est pas Bonnie, je me loupe, je retape tout 10 minutes. Non, 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 non. On vérifie, j'ai vu que j'avais encore un peu de temps sur les timers. Je préfère être sûr, c'était le dernier perso en plus, je savais. Le problème c'était que c'est que Bonnie c'était celui que je devais appeler pour réparer. Ça fait peur. Et je l'appelle et en fait c'est... Alors surtout que j'ai failli l'appeler. J'avais dit on fera Bonnie juste après, j'ai failli l'appeler. Et il y avait écrit Nanana Phantom, si je l'avais appelé c'était terminé. Allez, let's go. C'est bien ce qui se passe là. Oh, un petit Steven, hein, le petit Chica qui fait le dodo. Je pense que c'est de la pizza, miam miam miam. Je lâche des likes quand je dors. Oh putain, tu saignes de l'œil. C'est pas un rhume ça que t'as. Je fais des cauchemars. Je suis curieux de savoir qu'est-ce que ça va être le nouveau gameplay des caméras. Ah, c'est Mangle ça. Je me demande si on va pas voir un truc avec les squelettes des persos. Parce qu'on me montre l'intérieur des squelettes, c'est que ça doit bien avoir une utilité. Non, je sais pas. Bon, ben alors continuons. Nuit numéro 5, c'est parti. Hein. La dernière nuit de Sanity. Ça veut dire quoi Sanity? Sanity, c'est pas genre l'enfer? Ou justement la tranquillité? C'est un des deux en tout cas. Je sais plus ce que c'est. Sanity. Ah non, c'est la santé mentale. Dernière nuit de santé mentale. Pas des trucs cachés des fois là-haut. Mais attends. Il y a écrit quoi là? Paul. La cave de Paul. Oh, bah... les sprites sont pétés ici. T'as pas réussi à les charger? Bon, je t'avoue que je prends pas trop le risque d'aller me balader un peu partout pour fouiller ce qu'il y a. Alors, quel est le plan? J'ai dit qu'on allait prendre le fantôme par surprise. J'ai juste besoin d'aller dans le sous-sol en secret. Je te couvre, j'ai trouvé l'entrée du sous-sol il y a un moment déjà. J'ai fermé il n'y a pas longtemps ou prochainement jusqu'à ce qu'on le trouve. Je suis sûr que le fantôme sait qu'il existe. Donc il faut que tu fasses très attention. Je ferai de mon mieux, je vais finir mon investigation ce soir et après, right back here. On se retrouve ici demain. Oh, c'était plutôt rapide comme dialogue. J'ai peur. Bouh, let's go, voilà. Allez, c'est parti. Tu connais la strat. Hop là,
On en appelle un. On appelle Freddy. Ouais, le son est beaucoup plus fort qu'avant, ou je rêve? Le fantôme. Ah, très bien, très bien, très bien, très bien, très bien. Alors, j'ai vu Foxy, mais je suis pas sûr que ce soit à prendre en compte réellement. Parce que du coup, je sais pas si le fantôme était déjà là juste avant. Ok, je vois Bonnie. Je suis quasi. Voilà, j'ai vu Foxy, Bonnie Foxy. J'ai vu la musique aussi. Bonnie Foxy, ça peut être l'autre avec ses numéros. Non, Bonnie Foxy. Bonnie Foxy. Attends. Ben attends. J'ai vu Bonnie Foxy. C'est pas lui, c'est pas la musique, c'est Chica alors. Logiquement. Le fantôme est rentré dans un animatronique. Il va tellement vite! Il me coupe mon idée de gameplay, d'accord. Mais c'est ok, ça m'apprendra. Pas de traces, pas de trucs qui clignotent pour l'instant. Pas de traces toujours, mais c'est toujours le même qui disparaît. Alors, tu voilà, toi, c'était Chica. Bonnie, juste là. Vas-y, Bonnie, qu'on n'arrive pas toujours à te voir. Va-t'en pour voir. Pas de traces. Je vais aller vérifier les numéros de Balloon Boy. Ok, très bien, très bien, très bien, très bien. Donc toi, je t'appelle. Ça va aller tellement vite. Le fantôme est déjà dans un animatronique. Ça va beaucoup trop vite, mon gars. Ça va beaucoup trop vite. La musique. Ouais, mais la musique, ça veut tout dire et rien dire. En fait, je suis pas sûr. Ok, je vois Chica. C'est incroyable, ça. C'était qui ça? C'était Foxy, je crois. Il y a la musique, il y a Foxy, il y a Chica. Je verrai par lui. Foxy, musique, Chica. Allez, allô. C'est Freddy. Attends, c'est peut-être pas le bon. Voilà. Voilà, très bien. Je vais appeler. Voilà, il n'est pas encore arrivé. Donc c'est bon. Et là, il va arriver. Alors. La caméra bouge? Non. J'ai cru rêver. Freddy. Personne. Pas de trace. Pas de trace. Là, il y a potentiellement quelqu'un. Foxy. Foxy, tu peux être où? Foxy, tu peux être là. Est-ce que la caméra bouge bizarrement? Non. Ah, ok. La caméra bouge, là. C'est Bonnie. Selon moi, c'est Bonnie. Mais je vais quand même aller vérifier au cas où. Oh, c'est quoi? Au culot. Au culot, on a de la chance jusqu'à maintenant. Ok, c'est bon. J'appelle Chica. Pardon, Foxy. Attention. Le ghost est dans un animatronique. Très bien. Ok, il y a Bonnie là-bas. Je vais voir s'il y a une trace quelque part. Ouais. Ah, ça clignote. Il y a encore la musique. C'est Chica. C'est Chica, l'imposteur. Donc on va appeler toi et imposteur Chica. Allez, c'est reparti, il va arriver très très vite. Attention. Attention, le fantôme est là. Ça clignote pas plus que ça. Est-ce que c'est une caméra qui bug? Vous êtes tous là, vous êtes tous partis, c'est génial. Pas de traces au fait? Vous m'avez pas laissé de petites traces, non? Balloon Boy peut-être? Non plus. Quoique Balloon Boy était là au final. Donc en soi, ça veut dire que c'était peut-être pas lui. Musique. Freddy. Chica. Partez. Pas de traces. Y'a Bonnie là-bas. Vas-y, va-t'en, Bonnie, vite fait. Pas de traces, hein. C'est Foxy le dernier que j'ai pas vu là. Il est où, Foxy? C'est soit Foxy, soit Balloon Boy. Je miserai sur Foxy, je le vois pas. Je le vois pas, Foxy, jusqu'à maintenant. Je sais pas où il est. Il est là. Ça clignote pas, vas-y. Ah si, 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 il y a une trace, ok. Il y a une trace à l'écran. Donc on va appeler toi et on va... Toi. Je suis gouré. Non. Ça va descendre de par deux, je suis une merde. C'était la musique. J'ai perdu.
vais me faire exprès de mourir, j'ai perdu. Eh ben, je me suis fait avoir. Je crois que c'était la musique, en fait, qu'il fallait faire gaffe. Mais j'étais persuadé que c'était Foxy parce que je le trouvais nulle part. Et les autres, il n'y avait rien qui se passait, il n'y avait pas de traces. On repart direct. Direct. Pas simple du tout. Et le fantôme va arriver de suite. Le fantôme est déjà là. Alors, on a affaire à quoi? La caméra qui bug, peut-être? Non, c'est pas ça. Caméra qui clignote? Non. Une trace peut-être? Vous êtes 4 actuellement. Vous êtes les 4 à être partis, il n'y a pas une trace à l'écran. Balloon Boy. Eh ouais, c'était sûr. C'était plus que sûr. Mais putain, j'ai encore du mal, Balloon Boy, à comprendre direct que c'est lui. Le fantôme est là, ça bug, ok. Alors il y a Chica, Foxy. Chica, Foxy, ok. Moi j'ai dit que c'est Chica. Pour moi c'est Chica. J'ai bien appelé quelqu'un, j'ai appelé Bonnie normalement. Allez. Donc je vais appeler, pas Chica justement, je vais appeler toi. Hop. Quoi? Quoi? Est-ce que c'était la musique? Je suis désolé, on va perdre. Oh mon dieu, qu'est-ce que c'est dur. Oh putain de merde. Je crois que c'était la musique. Ok, le fantôme est là. Y a-t-il une caméra qui est bloquée quelque part? Non. Est-ce que ça clignote? Non. Est-ce que tu me laisses une trace, Foxy, en partant? Non. Y a la musique. Faut vraiment que je détecte ça. Voilà. Ils sont partis tous, sauf la musique. Est-ce que la musique... Peut-être Balloon Boy? Vérifie, tu sais, ça coûte rien. C'est Balloon Boy, d'accord. Allez, on va réparer un. On temporise. Toi, on tape. Et c'est Balloon Boy. Let's go. Allez. 1 sur 7, c'est reparti. Ok, ça bug. Ça bug, j'aime ça. C'est Foxy. Il y avait pas la musique. Pour moi, c'est Foxy. Voilà, Foxy là, est-ce que ça bug? Foxy revient là. Foxy, ouais, il y a personne d'autre que toi. Il y a Freddy, mais Freddy t'es pas là quand ça buguait. Pour moi, c'est Foxy. Hop. Ok, let's go. Ok, là c'est des connexions, d'accord. Donc qui c'est qu'on voit pour l'instant? Ça c'est très difficile. Ok, je vois Foxy. Je vois Foxy, je vois Bonnie, parce que Bonnie est juste... Ah non, c'est Chica, pardon. Je vois Foxy, je vois Chica. Foxy, Chica. Et si c'est la musique? Ok, Foxy, Chica, musique. Donc c'est soit Freddy, soit Bonnie. Je dois chercher Freddy ou Bonnie. Ok, c'est Bonnie. Donc je vais t'appeler toi, et c'est... J'ai dit que c'était Bonnie. Le fantôme est là. Caméra peut-être. Ça bug peut-être un peu. Ok, caméra. J'ai vu Chica. J'aime pas trop ça, moi, les caméras, c'est dur. Ok, c'est qui ça? C'est Freddy ou Bonnie? Je suis pas sûr. J'ai vu Chica, Freddy, Bonnie. Ah, la musique, elle est dans la caméra qui bug, donc ça, je suis pas sûr. Donc ça peut pas être Balloon Boy. C'était qui? Est-ce que vous pouvez me dire c'était qui que j'ai vu là? J'hésitais entre Freddy et Bonnie. La caméra... La musique est partie. Ok, Freddy... Putain, je vois Freddy et Bonnie, mais comment c'est possible? J'ai vu Freddy, Bonnie, Chica.
Il y a quelqu'un qui m'attend. Freddy Bonichika Balloon Boy. Freddy Bonichika. J'ai vu Freddy Bonichika Balloon Boy. Ah, Foxy! Je l'ai pas vu, Foxy. Je l'ai pas vu une seule fois, Foxy. C'est lui. Et je vais appeler toi. C'est trop dur de se dire qui c'est que j'ai pas vu. Ok, ok, Freddy, tu bug. D'accord. Y'a personne d'autre que Freddy. Ça bug encore. Ok, ça bug fort. Y'a pas la musique. Pour moi, c'est Freddy 100%. On va attendre que j'entende. Ouais, c'est Freddy. Donc, ça, c'est Freddy en fait. C'était ça, c'était Freddy. Ok. C'est Freddy ici. Hop là, doucement. C'est Freddy. Alors, qui c'est qu'on va appeler ici? Tic, 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 tic. Toi. Trace laissée. Ah d'accord, connexion perdue. Chica. Chica Bonnie. On a vu Chica Bonnie. Chica Bonnie Freddy. Chica Bonnie Freddy. J'ai vu Chica Bonnie Freddy. Et là on a Foxy. Chica Bonnie Freddy Foxy. Chica Bonnie Freddy Foxy. C'est un des deux. Et c'est pas Balloon Boy, donc je dirais que c'est la musique. Merde. Je suis une merde. Je vais descendre deux par deux. Frica Bonnie Chica. Mais je les ai tous vus! Quoi? Je les ai tous vus! Chica, Bonnie, Freddy, je les ai vus! Bonnie, ah non, ou alors c'était peut-être Freddy là, peut-être! J'ai confondu! J'ai pas encore compris qui était qui! Putain, je sais pas. Il me reste combien là à trouver? Un seul? C'est perdu hein. Allez, au hasard. Une chance sur six, fallait le tenter. Oh putain sa mère! C'est tellement difficile, c'était Foxy. C'était une chance sur six. Au culot, j'aurais dû. C'était ce que j'aurais dû faire au culot. Appeler Freddy. Comme ça, il m'attaque pas en tombant en zéro. Et j'avais quelques secondes de plus pour essayer de voir si je trouvais quelque chose qui me saute aux yeux. Sinon, c'est une chance sur 6 et puis YOLO quoi. Ouais, je dis YOLO en 2023, bien sûr. Pour du con. Alors, ça, crédit. Ah non, pas du tout. Donc, Foxy. Donc là. Il y en a potentiellement un ici. Ah, il y a Foxy juste ici, je vois son crochet. C'est dur la caméra, c'est dur. Ok, je vois Bonnie, je vois Foxy. Bonnie, Foxy. La musique. Bonnie, Foxy, la musique. Ok, donc c'est Chica, logiquement. La logique voudrait que ce soit Chica, si j'ai bien compris. Freddy Chica, le fantôme est déjà là. Pas de traces à l'écran, c'est bien ça. Freddy Chica toujours. Est-ce que c'est une histoire de caméra bloquée? Foxy? Foxy, bonjour. Ça grésille pas, tu veux t'en aller? Peut-être laisser une trace, je sais pas. Est-ce que je vois une trace? Pas tant que ça. Ah, oh, waouh, wow, y a une trace. Ok, ça va se jouer sur les traces, les gars. Et je sais pas qui du tout était là. Je sais pas. C'est dur, c'est très difficile à jouer. Freddy, Foxy. Freddy est parti. Foxy vient de partir. Pas de trace toujours. Chica. Chica va-t'en. Chica va-t'en une fois. Chica va-t'en deux fois. Chica est parti, y'a pas de trace non plus. Wow. C'est la musique? C'est la musique, d'accord. Pour moi, c'est la musique. C'est ça la musique, c'est ça la musique. C'était pas la musique. Bon, je considère que j'ai perdu, je préfère recommencer directement. Mais comment ça? J'ai regardé Freddy.
Foxy, Chica. Aucun des trois m'a laissé une trace. C'est pas Balloon Boy parce qu'il bug pas. C'est pas Foxy parce que je l'ai réparé. Pourquoi ? Pourquoi c'était pas la musique alors ? Qu'est-ce que j'ai fait de mal, les gars ? Qu'est-ce que... C'est dur ! Le gameplay des traces est vraiment pas simple. Alors, il est déjà là. Y a-t-il une caméra qui bug quelque part ? Oh, la caméra bug ici. J'ai cru l'avoir bugué. Foxy, Chica, Bonnie, musique. Donc c'est soit Freddy... C'est Balloon Boy ? Mais non, c'est pas possible, elle buggerait pas la caméra. D'accord. D'accord, ok. Mais je savais pas que... Mais pourquoi la caméra buggait si c'est Balloon Boy ? Ça a pas de sens, ça aussi. Ça a aucun sens. Bref, on va faire comme si on n'avait rien vu, hein. Alors, prochaine étape. Connexion perdue, ok. On est parti. On est parti pour les chercher, c'est pas simple. Voilà, comme ça. Foxy, Chica. C'est déjà bien d'en avoir deux. Foxy, Chica. Je mise sur Foxy, Chica. Il n'y a pas la musique. Foxy, Chica. J'entends pas la musique. Nulle part. Foxy, Chica, Bonnie, ils sont là. Foxy... Ah, c'est Freddy ? C'est Freddy, je l'ai pas vu une seule fois, Freddy. C'est vrai. Ou alors c'est la musique. Ok, j'ai eu du bol. J'ai eu du bol. Ok. Tac, 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 tac. Ok, ça bug. C'est Foxy ? Ça bug ou pas ? Non. C'était Chica ou Bonnie. C'est un de vous deux. C'est un de vous deux. Pourquoi ça bug pas ? Est-ce que c'est encore Balloon Boy qui me fait des feintes ? Oh, je comprends pas ça. Ça n'a pas de sens. Mais... Bonnie ou Chica ? Mais merde ! Ok, ok, il y a Bonnie et il y a Chica ! Bon, ok, c'est un des deux, je vais pouvoir en appeler un autre en attendant. C'est Bonnie ou Chica, donc on va appeler Foxy par exemple. Je sais pas encore exactement lequel c'est. Je crois pas que ce soit la musique non plus. Tu vois, la musique ça bug pas. Mais ils sont où ? Ok. Chica. Ah, ça pue pour Chica là. Ah, c'est bon, c'est validé, c'est Chica. Hop. On va attendre que l'animatronique arrive. Et on va appeler quelqu'un d'autre. À part Chica. Tiens, on va t'appeler toi. Allô la souris, réveille-toi s'il te plaît, j'ai besoin de toi. Ok, l'animatronique, le fantôme est là. Ok, connexion perdue. J'ai vu qui là ? Je vois Foxy. Je vois Foxy, je vois Bonnie, je vois Chica, ça a l'air pas mal ça. Foxy, Bonnie, Chica. Et musique, ok, on sait qui c'est. Foxy, Bonnie, Chica, musique. Foxy, Bonnie, Chica, musique. Balloon Boy, Foxy... Foxy, Bonnie, Chica. C'est Freddy. C'est Freddy et on va appeler toi. C'est super dur. J'ai tellement de trucs en tête. C'est super dur. Alors, caméra éteinte, tu peux voir quelqu'un. Bonnie est là. T'as pas laissé une trace, Bonnie, non. Bonnie, tu clignotes. Ça pue pour toi, ça, Bonnie. Il y a la musique aussi. Pour l'instant, on va attendre. C'est potentiellement Bonnie. Ouais, pour moi, c'est Bonnie. Ok. On va appeler Freddy et donc c'est Bonnie. J'ai trop peur que ce soit la musique et que je me sois trompé, t'imagines l'erreur. Oh là là. Ok, connexion perdue. Là j'ai Bonnie. Là j'ai encore Bonnie, c'est énorme. Il y a la musique, ok. Bonnie, Freddy, musique. Bonnie, Freddy, musique. Bonnie, Freddy. Musique, donc c'est Chica. C'est Chica, je crois. Ah non, Freddy, il est là ? Merde. C'est Foxy, je veux dire. Bon, je crois que c'est Chica, de tête. Aléatoirement même. Ok, let's go.
t'appelle toi. Dernier plan. Ok, la caméra qui bug. Il y avait le canard, Chica. C'était Chica là. Ça sent mauvais pour Chica. Oh, ça pue pour toi, Chica. Vraiment, ça pue pour toi, je suis désolé. Encore Chica. Ouh, let's go. On est là. Qu'est-ce qu'il a ton jeu là? Mon jeu l'investigation complètement. En 5 minutes. New record. On est pas un gros speedrunner, nous là. Bien sûr qu'il m'attend, mais il m'attend pas du tout. Je vais à peine lui dire, allez, j'y vais, que je suis déjà de retour. Dites-moi qu'il n'y a pas de sixième nuit, s'il vous plaît. Dites-moi qu'il n'y a pas de sixième nuit, s'il vous plaît. Non, je veux pas. Dites-moi que ça s'arrête sur la cinquième nuit comme aucun autre jeu Five Nights, en fait. Oui, on va regarder, bien sûr. Alors, je mange de la pizza, c'est drôlement bon. Oula. Ah, ça, c'est Chica qui pleure du sang, oui. Ou de l'huile. Oh, l'encre qui est tombée pile sur l'œil du perso, ça faisait très... Pupette. Et en fait, Farod, il y a 14 nuits. Et ouais, parce que du coup, on est gourmand, nous. Et on aime bien le jeu. Non. Non. Merci VoxyJandel2 qui a resub pour son 25e mois. Merci Gaspard Louis qui a resub pour son 3e mois. Merci The Creep 24 qui a offert un sub. C'est très gentil de ta part. Et merci à Willy Voleur qui a resub pour son 13e mois. Merci beaucoup. Oula. 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 Il y a un truc qui cloche là. Bonjour. Oula, bonjour. Eh, bonjour, ça va ou quoi? Ah, tu n'as plus de visage. Oh, mais par contre, il y a une porte. Mais tu n'as plus de visage, mais par contre, il y a une porte. Ouh. Ça m'a l'air intéressant. Alors, est-ce que tu es prêt pour aller à l'intérieur d'un endroit que tu ne connais pas? Je crois... Attends, je vais mettre le texte là. Je crois que je suis prêt... à ready as à ne jamais y aller. Bon, je sais pas. Yeah, la porte va t'amener au centre de du sous-sol. C'est là où tu trouveras le fantôme. Maintenant, il faut que tu piques et scoutes en dehors du sous-sol quand tu auras fait ton investigation. En gros, dès que j'ai terminé la nuit, il faut tracer. Il faut s'en aller vite. Est-ce que tu as vu quelque chose? Il semblerait que le fantôme soit retourné à l'intérieur du sous-sol pour faire son petit jeu là. Ok, nous avons un plan. J'ai dit, nous allons. Nanana, Game to Ghost, il est en train d'essayer de jouer avec nous et on va l'attraper par surprise, elle. Comment est-ce qu'on va attraper le fantôme? Attrape-la ici. Along with. Avec les autres esprits corrompus. C'est comme ça qu'on fait depuis des centaines d'années, j'imagine. Je ne comprends pas. Bonjour. Très bien. C'est le chat, je compte sur vous pour me traduire, évidemment. Si ça ne marche pas, Paul. I may never see you again. C'est-à-dire quoi? J'espère ne jamais te revoir ou. Donc, je pense que je vais te dire au revoir. C'est la fin de JR ce soir. Non, mais moi, je vais aller dormir, en fait. Vous comprenez? Moi, je vais faire le dodo. Je rompiche. Non, je peux pas. Mais ça a l'air de faire super peur, l'histoire de la porte, là. C'est affreux. Il semblerait qu'il ait fait de la cave, son petit terrain de jeu. Ils les ont laissés pourrir. Pendant des centaines d'années, je te reverrai peut-être jamais. Ben merci pour la traduction, putain. Merci à tous. On est chaud. Oh putain, je vais me faire déglinguer.
J'aime bien, hein. J'ai beaucoup aimé jusqu'à maintenant le jeu. C'était vraiment cool. C'était vraiment très 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 cool. Oh, Bonnie. Oh, c'est l'ancien Bonnie, ça, non? C'est le Bonnie du 2, de, Five, de FNAF 2, non? Si, pourquoi je dis non? Je sais que c'est celui-là. Oh, putain! Attention! Oui, il y a des têtes et tout, c'est n'importe quoi, ça. Utilise A, W... Oh là 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 là. Oh là là, c'est FNAF 2. C'est génial. A, W, D... Pour utiliser Light dans ton bureau, utilise W pour... Ok, A, D, W... Mais A, D, W et W... D'accord. Utilise espace pour masquer... Let's go! Sois sûr que tu entends bien... Ok. Il y a une histoire de music box, là. Comment je la recharge? Oh, je vais mourir. Comment je la recharge? Allô? Je vois rien. Je suis mort. Pouh, du con. Oh là 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 là. Oh, laisse-moi comprendre. Laisse-moi suivre un peu. Putain. Donc, c'est FNAF 2. Donc ça, pour le coup, je pense que je vais y arriver. Hein. Enfin, non, je veux dire, je vais y arriver à comprendre le gameplay. Mais, donc, moi, je suis là. Ça, c'est ma caméra, ça, vraiment? Comment j'ai fait... Ah. Mais comment je la... La musique, je la descends, en fait. Est-ce que j'ai un système de batterie? Bon, il y a problème. Oh oh. Non, attends, j'arrive pas à comprendre. Pourquoi j'arrive pas à cliquer sur le... à rembobiner le son? C'est très catastrophique. Bon. Je me rappelle. Les conduits d'aération, faut les regarder de temps en temps. Je regarde les caméras seulement pour... En fait, j'ai pas besoin de regarder les caméras si je me souviens bien. Faut juste regarder droite-gauche, tout droit, droite-gauche, tout droit, droite-gauche, tout droit. Écouter les sons. Deviner, ouais, vite faire les caméras s'ils arrivent. Et dès qu'il y a le point d'exclamation, on va faire la... Mais je n'ai pas compris comment on fait ça, en fait. Là, est-ce que... Ah, d'accord. C'est énorme. J'ai de la batterie, et en plus de ça, j'ai de la batterie, ce qui... Ok. Non, il est pas encore dans mon bureau. Attends, si, il est peut-être dans mon bureau. Je sais plus s'il faut le faire maintenant ou pas. Y'a que lui? Est-ce que je dois attendre qu'il... Donc ça, on va attendre les flashs qui passent. Y'a plus le rond! Je deviens Fada. Y'a plus le rond. Mais je suis mort de pupette. Mais je... Je crache sur mon micro. Ça m'agace. Y'avait pas le rond. Tu l'as vu? Je l'ai vu, tu l'as vu, on l'a tous vu. Le rond, il est là. Il est là. Je ferme, je rouvre. J'ai pas besoin de mettre la lumière pour voir le rond. Voilà, je le remets. Voilà. Pour l'instant, ça va. Voilà. Ok. Là, il y a pas de lumière. C'est-à-dire quoi qu'il y a pas de lumière déjà? C'est pas une histoire avec Foxy? Oh mais frérot, tu descends beaucoup trop vite là. Combien de temps ça dure cette histoire? Alors là, moi je me rappelle que s'ils sont dans le couloir, c'est qu'ils arrivent. Mais je suis pas obligé d'attendre qu'ils soient... Moi je crois qu'il faut que j'attende les flashs. Et là, normalement, c'est bon. Si je me rappelle. Ouais, ça fait un moment que j'ai pas joué au jeu. Ah, il y a plus le rond parce qu'en fait, faut que je devine où est-ce qu'il est le rond. Ok. C'est quoi ça? C'est Foxy. Foxy, il y avait un truc... Ah non, Foxy, c'est la lumière. Je crois... Foxy, il faut lui mettre full lumière, je crois. Ou spammer la lumière, je sais plus. C'est quoi Foxy? Alors rappelez-moi Foxy ce que je dois faire, je m'en souviens plus du tout. Y'a pas le rond! Y'a pas le rond! Ah! Y'a pas le rond, je sais pas où il est! C'est complètement con de pas avoir simulé le dessin du rond pour que je sache où est-ce que je dois aller. Ça n'a pas de sens. Si je sais pas où est-ce qu'il faut que je clique, comment je devine où est-ce que je dois cliquer si le rond a disparu?
C'est vraiment des bâtards. Foxy, c'est spammer. C'est pas le laisser. C'est genre clac, 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 clac. Quand vous dites spammer, c'est ça. C'est pas... parce que vous pourriez dire spammer en mode tu le laisses bien enfoncer. Non, Foxy, c'est... Est-ce que c'est spammer en mode tac, 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 et dans ce cas, vous écrivez dans le chat tac, 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 ou alors c'est continu, en mode je laisse enfoncer et j'attends. Répondez-moi. Tac, tac, tac. On part sur une vague de tac, tac, tac. Ok, alors, Foxy, je me rappelle, ok. Les autres, ils sont dans l'encadrement de la porte, c'est pas grave, j'attends qu'ils soient devant moi, je mets le masque. Ok, droite-gauche, je mets le masque, et je me rappelle de Bonnie à droite, il me passe devant en souriant, ok. Par contre, waouh, Puppet, c'est... Il speedrun, lui aussi, le jeu Puppet. Comment il fait pour aller aussi vite? C'est incroyable, cette histoire. Hop là. Voilà, on s'en fout de notre caméra. On s'en fout comme plaît. On s'en fout du cul. Voilà, il est vers là. Il est dans l'axe de... Oula, il y a du bruit. Voilà, là, tant que lui, il est là, c'est bon. Et il va me soulever la tablette, je crois. Il est parti juste, d'accord. Donc il est dans l'axe là à peu près. Freddy, tant qu'il n'est pas dans la salle, ça va. Ok. Je voulais pas faire ça. Je voulais absolument pas faire ça. Il est arrivé très très rapidement, lui, quand même. Ok. Hop là! Je confonds les boutons, ça y est. Waouh, wow, je suis tellement pas assez rapide là. Trop dur de jouer avec ces touches du clavier, je t'avoue. Oh, D, A, W, S sont tout éloignés, j'en chie. Oh, c'est Chica. Putain, je vais me faire bousiller par Foxy. Sur bonne cam, je suis une merde. La batterie, c'est mort là. C'est mort la batterie. Il ne reste plus que deux crans. Qu'est-ce que je fais? Don't make the... Je suis où là? Je suis où? Y'a quoi là? Beware the Mangle. Ils y vont tous. Comme dans le dessin animé. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? C'est le moment pour moi de me barrer peut-être? J'ai plus.
C'est quoi ça? C'est qui lui? C'est les Mangles? C'est les pièces de Mangles? J'ai plus de batterie, je vais pas tenir hein, jusqu'à 6h avec ça. Il y a les mains. Il y a Mangle qui va venir du coup. Mangle c'est pareil, c'est comme Foxy, si on la voit au plafond, faut spammer la lumière si je me rappelle bien. Mangle à 100%. Tu m'engueules pas. C'est le meilleur jeu de mots, hein. C'est moi qui l'ai inventé. Le jeu est en pause. Y'a plus? Y'a plus? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Mangle est là. Dès que tu vois sa queue, utilise je sais pas quoi. Donc y'a plus du tout là. Ah, faut que je la cherche là-dedans. Oh. C'est quoi ça? Je comprends pas. C'est fait exprès. C'est pas fait exprès du tout. Je comprends pas. Putain. Ça me casse les couilles. Je comprends pas, j'avais plus de batterie. Comment tu veux que je tienne jusqu'à 6 heures avec aucune batterie? Utilise la lampe sur Mangle si elle apparaît dans le couloir. Oh non, faut tout refaire, c'est trop long. C'était quoi ça? Faut trouver le fantôme de la caméra. Donc il n'y a plus l'histoire de Puppette dans cette deuxième partie en gros. Faut trouver le fantôme, mais le fantôme. On dit le fantôme, c'est quoi le fantôme? C'est Mangle? Ou alors on refait le gameplay de tout à l'heure en mode le fantôme, faut deviner celui qui met des traces ou que l'écran clignote. Là il y avait une main qui tremblait, vous l'avez vu? Ça servait à quoi la main? La main que tu as vue, c'est le fantôme que tu dois trouver. Ah ok. Ah ouais. Le fantôme, c'est la main. Et alors, quand j'ai trouvé la main, je dois faire quoi? Des mains tendues, c'est ça le fantôme. Ouais. Et je dois faire quoi? Je dois spammer, non? Je dois faire quoi de particulier? Désolé d'avoir crié, pardon. Mais j'avais prévenu que je m'énervais facilement. Je suis un rageux, évidemment. Il faut que tu trouves la main et tu restes avec la lampe allumée. Donc là, il n'y a pas de tac, tac, tac. On reste enfoncé sur le bouton de la lampe, bien que j'ai plus beaucoup de batterie. Ah, ça veut dire qu'il faut que je rejoue le jeu avec Puppet et que j'économise de la batterie. Genre, j'ouvre pas à droite-gauche en fait, j'en ai pas besoin. Tu refais pas tout, il y a une sauvegarde. Oh non! Jure. Non, attends. Ah ouais? Oui, on m'a redonné de la batterie en plus! C'est génial! Bon, là ça bug. C'est une main ça? Peut-être pas. Faut que ce soit une main qui bouge. Ou alors c'était vraiment la main, je sais pas. Là, il y a une main. Non, il faut que ce soit une main qui bouge, je pense. Je sais pas, moi. Je la vois pas, la main qui bouge, là. Il y a des mains partout. J'y arrive pas. Et donc là, faut mettre le masque pour les faire partir, eux. Je comprends pas. Non, c'est que de la déco. Where is the end? Oh putain! Vous l'avez vu la main ou pas? Est-ce que vous l'avez vu la main? Est-ce que vous l'avez vu la main? Parce que moi je l'ai vu à aucun moment. Moi, à partir d'avant, j'ai vu une main qui vibre. Là, j'ai vu plein de mains posées, mais qui bougeaient pas. Si tu vois une mini-tête avec des yeux dans ton bureau, mets ton masque. Mais c'est que dans mon bureau, il y a un milliard de mini-têtes quand les monstres de Chica, ils apparaissent. Elle était dans le couloir à la... Oh merde, la main peut être aussi en face de moi et sur les côtés. Je l'avais complètement oublié, j'étais focus sur la caméra, moi. Il faut aussi, si je la trouve pas sur les caméras... Faut aussi que je regarde là en fait. Oh putain de merde. Est-ce qu'un truc bouge ici? Non. Est-ce que le truc bouge? Non. Est-ce que le truc bouge? Je crois pas, on va attendre que ça se remette. Encore. Non. Putain mais c'est ouf. En face, non, là, non. On continue. Où est la caméra? Non, nul. Putain, ça a bougé.
tac. Ah là, il y a une tête avec des yeux, donc je mets le masque. Ok, la tête avec les yeux a disparu, c'est formidable. C'est le bruit. C'est le bruit de la chouette qu'on me disait dans le chat. Le tic-tic-tic. Par contre les caméras, non mais faites un effort là. Faites un effort les caméras, s'il vous plaît, je vous en prie. Voilà, ça c'est parti. Ouais d'accord, donc ça me broue la vue. Je vois pas du tout où elle est. Ça m'embête beaucoup. Chica me bloque tellement. Voilà. Oh, attention. Ah non, je croyais qu'il y avait la chouette. Attends pour moi. Je ne comprends pas. J'y arrive pas. Je comprends pas, putain. Je me donne à fond, je comprends pas. Je vois pas la main. Elle était là. Elle était derrière la déco. Il y avait la chouette. Oui, elle était là. Elle était cachée à gauche, la chouette. Sérieux, vous avez vu dans l'angle de la chouette un petit truc bouger? Parce que si c'est le cas, il faut que je regarde un peu mieux alors. Oiseau dans le bureau égale, tu mets ton masque. Parfois, ma angle est dans le hall. Faut flash de temps en temps. Si tu trouves pas le fantôme assez vite, elle brise tes lights. Bon, ben je vais réessayer une nouvelle fois pour voir si je comprends. Pas de main, pas de main. Pas de main, pas de main. Pas de main, j'ai du mal à cliquer, j'avoue, je suis nul. Hop. Non, si vous voulez pas faire ça, hop. Pas de main ici. Ah, là, il y a la chouette, non? Ah si, il y a la chouette à gauche. Ah oui, d'accord. C'est juste le bruit. Faut pas que je la voie, en fait. Allez, 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 hop, 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 là. La main, t'es où? Putain, mais dire qu'on l'a vu une fois, la main. C'est quand même dingue, ça. Attends qu'elle parte. D'accord, mais on a quand même eu tout ça qui arrive. Et là, potentiellement, vous l'avez vu au-dessus de Chica. Oh, attends, attends, attends. C'était elle. Je l'ai pas reconnue. Il y a le hibou. Il y a la chouette. J'ai vu Chica à la caméra. C'est trop dur. J'en chie de ouf. Putain, j'en chie de ouf. J'en chie de ouf. Je trouve pas mon gueule. Non, elle est pas là. Sympa ça comme ambiance. Oh quoi 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 quoi. Quoi? Ah là. Je l'ai buté. Ok, ok. Je l'ai buté. Il y a quoi là? Ah oui, mais elle était là. Je la vois pas, mon dieu, mais c'est une catastrophe. Remets-toi, remets-toi, remets-toi. Il est revenu? Non mais le hibou, fous-moi la paix en fait. Là, lumière, full. Et lumière, 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 c'est ça, full, full lumière. Je crois, je sais pas. Vous m'avez dit lumière à fond sur Mangle, c'est ça? Ou spam peut-être. Ah c'est peut-être spam qu'il faut que je fasse. Et là-bas c'est quoi le problème? Non, on m'avait dit laisser enfoncer. J'ai pas trop aimé ce qui s'est passé, j'ai l'impression. Il y avait la main. Mais c'est... Ferme-toi, ferme-toi. Masque. J'ai plus de batterie, hein. Batterie. J'ai eu quelqu'un? Sans faire exprès? J'ai plus de batterie. Oh la blague! Let's go!
Vous dites pas qu'il y a une septième nuit, sinon j'arrête. C'est suffisant ça. Qui es-tu? Let me in, laisse-moi rentrer. Faut que je fasse quelque chose avec la... Non, je l'ai pas vu le sourire, je l'ai pas vu, cerveau, tu l'as pas vu, t'oublies, tu feras pas de cauchemar cette nuit, on l'a pas vu. Oui, j'appuie. C'était la démo. Hein. Bah, je rappelle, c'était le tuto du jeu. Là, maintenant, on va commencer le vrai jeu, du coup. Waouh! Je suis de retour. Cotton. Elle must of Cotton. Must of Cotton? Dans ma tête, elle est sortie de ma tête, je sais pas. Paul Beer. Où est-ce que tu es? S'il te plaît, ne me fais pas de mal. Oh oh. Ah, je nous voyais un petit peu plus grand que ça, je sais pas pourquoi. Est-ce que... Oui, on avait une image de nous, non, c'était pas ça, je nous voyais beaucoup plus grand. Je sais que... Where are you long? Exactement. Là, il parle de l'intérieur du costume. Je vais attendre, je n'arrive pas à comprendre ce qu'il dit. Sitting... Je sais que tu attends à l'intérieur du costume. Tu attends patiemment que... Une autre partie de ta petite poupée. Je vous laisse quelques secondes histoire de voir ce qui est écrit, si vous voulez me le traduire rapidement dans le chat. Ah, c'est le fantôme! Oui, d'accord, je me disais bien que ça avait aucun rapport avec le personnage qu'on jouait, c'est bien ce que je pensais. Je savais que tu étais aussi... Je savais que tu étais aussi tout du long. J'en ai fini avec toi. Je vais prendre ta petite poupée et la... Split, je sais pas, démonter son squelette. Donc là, je pense qu'elle parle de nous. Je ferais bien... D'accord. Non, pas cette fois, il est différent. Donc là, on parle de nous. Ah oui, vraiment. Laisse-moi te demander ceci. Qu'est-ce qu'il a fait? Eh, hey, vas-y, moi je suis là pour jouer un jeu d'horreur, pas pour faire des cours d'anglais, hein, les gars. Ceci, bon, en gros, elle a demandé qu'est-ce qu'il a fait, je sais pas, pour aider les spectres, j'en sais rien. Qu'est-ce qui te fait penser qu'il pourra te venger? Ah, d'accord, c'est ça, merci Lugdin. Merci Mina Frau, ouais, qu'est-ce que tu dis qu'il va venger ton esprit? Et là, il répond ceci. Ah, et là, j'arrive par derrière et. Tchaaaa! Dans la nuque. Le poignard. Après 5 ans, JR Later ne sera pas rouvert ou sera rouvert, je sais pas. J'ai pas vu la contraction, la négation. It will go over, some still have somewhat negative impression of the company. Je sais pas. La rouverture leur a donné une mauvaise image. Fazbear Entertainment est maintenant plus axé sur le fun de la famille et la... La sécurité. Ils ont acheté des petites fortunes, des nouveaux animatronics. Criquet, criquet, criquet. Cigale, cigale, cigale. Bref, Jérémy... Ah d'accord! Ça avait l'air d'être la phrase la plus importante du jeu, je l'ai pas lu. Donc ça va réouvrir, ok. J'ai pas lu la phrase. Il y avait écrit Jérémy, hop! J'ai pas vu, est-ce que quelqu'un l'a lu? Je crois qu'on part sur un petit générique de fin là, si tu veux mon avis. Créé par Ramenov et Darok. Bravo à vous, c'était vraiment très très bien comme jeu. Et là on se tape une méga musique de l'espace. Jérémy, quand est-ce que tu penses que ça va commencer? Quand penses-tu pouvoir commencer, Jérémy? Comment c'est quoi ton nouveau job? De surveillant? Dans un resto? Je vois. Je vais voir si je peux vous baisser un peu le son parce qu'il est vachement fort. Ah oui. Bah là, il n'y a plus de son, quoi.
Il est toujours aussi fort, ça change pas. Voilà, là ça va être un petit peu mieux. Ok. Ça se termine maintenant. Bah, je crois, si vu qu'elle gère Régufin, à moins qu'on ait une étoile et paf, on ait une 7ème nuit. Mais dans tous les cas, je l'aurais fait donc en 2h50, alors que la majorité du chat m'a dit tu le verras à 4h, tu verras. Il est super long, tu vas avoir trop peur. Et bien moi, j'ai passé un grave bon moment, c'était grave cool. J'aime toujours autant le gameplay des Five Nights, dans le sens où, bon, déjà, ça se renouvelle à chaque fois, on va pas se mentir, c'est pas toujours le même jeu. Et ça, c'est bien, parce que si c'était toujours le même jeu, bon, ben, on les a fait, on t'en fait un, on les a tous fait. J'aime bien le fait que les gameplays se renouvellent, j'avoue que celui-là était très intéressant. Et pourquoi j'aime les jeux FNAF, comme d'autres jeux qui sont du style, je sais pas comment dire, Die and Retry, et qui te demandent de t'entraîner jusqu'à y arriver, parce qu'au début tu te dis mais c'est super dur, j'y arriverai jamais et tout, et puis je sais pas, au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, tu apprends de plus en plus le gameplay, tu apprends les patterns, et puis tu y arrives, et il y a un sentiment de satisfaction qui est très agréable. Finalement merci Scott d'avoir changé nos vies. Il y a un sentiment de satisfaction qui est très agréable, qui se répète plusieurs fois, parce que les nuits, il y en a plusieurs, tu passes la nuit 1 et tu te dis putain mais en fait c'était trop simple, vas-y pour la nuit 2, et la nuit 2, ah d'accord c'est un peu plus dur, mais en fait je vais y arriver, et tu y arrives, et c'est pour ça que j'aime beaucoup le gameplay des jeux Five Nights et des fangames Five Nights, parce qu'ils me font ressentir ça à chaque fois, et c'est très cool. Je l'ai beaucoup ressenti quand je m'étais refait tous les FNAF il y a quelques années en live Twitch, c'était génial. Les rediffs sont toujours sur YouTube, c'était vraiment trop bien. On repense à FNAF 3 que j'ai terminé en 8 heures d'affilée de live, et c'était trop cool. Me dis pas qu'il y a une 7ème nuit. Non, free mode, ok. Il y a des extra shift, je sais pas ce que c'est. C'est-à-dire quoi shift? C'est quoi extra? C'est genre... on peut les regarder. Oh, mais il est pas beau. Ah, affreux. Caractère. Attends, je peux me déplacer peut-être. Mais il ressemblait vraiment à ça dans le jeu, mais j'ai pas remarqué qu'ils étaient aussi moches. T'as vu tous les détails là sur ses oreilles? Il a des petits picots, il a des griffes. Mais les dents, je crois que c'est ça qui me gêne le plus, c'est le dent. C'est les dents humaines. Shift égale nuit dans ce contexte. Ah, nice. Et lui, il a des lunettes. Bonnie, il a des lunettes à la base, je m'en rappelle même pas, tu vois. Les petits poils là, sur la moustache, affreux. Oh, on l'a pas vu, le petit gâteau, là. Cupcake. Donc Bonnie, en mode, c'était pas du tout une blouse de scientifique. C'était juste quelqu'un qui dodo, en fait. Il faisait son giga dodo. Foxy, là, sur son oreille, il a des petits pendentifs, il a des petites bagues. Ah, ils se sont bien emmerdés, en vrai. Ça, c'est ouf, hein, le fandom de FNAF, tout ce qu'il y a autour et tout ce qu'ils sont capables de créer. Balloon Baby s'appelle, c'est pas Balloon Boy, c'est Balloon Baby. Les ballons, ils sont transparents. Oh, la marionnette, je crois que c'est le perso qui me fait le plus peur du jeu. De tous les jeux. Il y a vraiment un truc avec la marionnette. Ah, et là, c'est quoi? C'est une autre nuit, quand ils sont un peu plus cassés. Ah oui, non, mais ça, c'est la nuit, la dernière nuit, la sixième. Voilà, ça c'est le Bonnie de FNAF 2, j'ai bien aimé la référence. Le Chica aussi, effectivement. Le Foxy. Donc toujours Balloon Baby, qu'on n'a pas vu à la fenêtre, alors que d'habitude il arrive sur la gauche, si je me rappelle bien. Mon dieu, toi alors. Ah, le Mangle, avec un hibou. C'est quoi cette histoire d'hibou? Ça a été créé pour le jeu, moi je me rappelle pas qu'il y avait un hibou dans les FNAF. Ah, le fantôme. Donc nouveau personnage créé spécialement pour ce jeu. Hein. Donc vous avez, vous le remarquerez, vous avez des petites descriptions hein, en haut à droite depuis tout à l'heure qui défilent. Hein. Vous mettrez pause sur la rediffusion hein, pour lire ce qu'il y a écrit. Hein. Paul Beer, lui il m'a fait marrer. En 3D dégueu là. Bon ça c'était les personnages. En dehors des scènes, ça veut dire quoi? Ah, c'est comment ils ont imaginé les dessins des persos. La 3D, tout ça. Donc ça c'est Freddy. J'espère qu'ils préviendront si jamais il y a des jumpscares. Comme ça, vous le débloquez que quand vous avez terminé le jeu à 100%, donc je vous l'offre. Voilà, prenez le temps de bien regarder, je vais aller assez vite. Vous mettez pause quand ça vous intéresse, ou alors vous mettez la vidéo en vitesse 0,25, parce que peut-être que vous aurez pas le courage pour finir le jeu à 100%, et donc vous n'arriverez pas à débloquer ça, donc je vous l'offre. À vous, à la rediff YouTube qui m'écoute actuellement, d'accord? Hop là, hop, un œil orange et un œil jaune, j'avais pas remarqué ça. Disons qu'on n'a pas forcément le temps de s'en rendre compte, effectivement. Voilà. Bon, vous, ça vous a plu ou pas, là? Ce soir. Bon, je sais qu'il y avait de l'attente. Je sais qu'il y avait plein de gens qui avaient hâte de me voir y jouer. J'avoue que ça n'a pas du tout été le live de la déception. Bien au contraire, c'était très cool. J'ai pas vu le temps passer. Ça fait 3h30 qu'on live et j'ai vraiment passé un grave bon moment.
Maintenant, j'aimerais bien avoir... Donc le hibou, ok, pourquoi pas. J'aimerais bien avoir un retour très sincère maintenant des modos. S'ils sont encore là, s'ils sont encore en vie, évidemment. J'ai pas encore fini le jeu, apparemment. Ah, merde, j'aime pas quand vous me dites ça. Les modos, comment ça s'est passé ce soir, très sincèrement? Est-ce que c'était affreux? Est-ce que c'était supportable? Est-ce que c'était bien, finalement? Ah, ça fait très Stanley Parable, comme ça, le... Donc ça, c'est les scènes. Ah! Il y a un mini-jeu caché quelque part que j'ai pas trouvé. Bah attends, mais c'est quoi cet endroit-là? Ou peut-être c'est la version bêta. Mais j'ai jamais vu ça, moi. Scraped... Ah non, mais c'est le contenu Scraped qui a été retiré, quoi. Donc le jeu aurait pu ressembler tout à toute autre chose. Voilà, là aussi, comme d'hab, je vous laisse mettre... Ah, il y avait un gameplay à base de téléphone, de température aussi. Oh là là, le bordel. Tellement le bordel que j'en coupe mon micro deux secondes. Je suis de retour, bonjour, ça va? Voilà, c'est quoi ça? C'est la portière d'une voiture. Ça fait pas mal de... Ça fait pas mal de choses quand même. Bon, vous me faites peur en mode là, j'ai pas fini. Je vais aller voir, je continue. Miss Kalenus, c'est quoi ça? Secret, that... Comment ça? Ils vous... Ils vont faire une figurine pop de Paul Beer? Non. Arrête. Ils font des figurines pop des jeux indés maintenant? Ah, c'est ouf. Je sais même pas s'ils ont déjà fait des vraies figurines pop de FNAF. Ih, mais affreux. Donc des dessins, des trucs comme ça. Ih! Oh, mais c'est... Oh là là, catastrophe. Bon, je les passe rapidement. En fait, c'est tous les fanarts des fans. Extra render. Ah. Oh là 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 là. Chica, elle a bien changé. Chica... Ah oui, c'est vrai. Ah, ça, c'est une des salles. Ah, mais ça, c'est les salles qu'on avait à la caméra, ça. Ah oui, c'est beaucoup plus agréable comme ça, je trouve. Ok, on a terminé. Alors, je vais lire vite fait ce qu'ont dit les modos. Deux secondes. Dès que tu ne voyais pas un truc du style les chiffres qui buguaient, ça devenait ultra relou, mais sinon c'était assez calme, surtout les deux dernières nuits. Parfois horrible, parfois ça allait, à la fin c'était plus calme. Par contre, cool. Cool, cool, cool. Bon, bah, je suis content que ça n'ait pas été trop la catastrophe pour vous, alors. Et c'est quoi Extra Shift, du coup? Ah putain, Custom Night. Eh non, non, on va pas faire le... Je vous connais, là. Je connais le jeu. Comment on fait pour augmenter? Si je les mets tous à 20, faut faire la nuit spéciale 20. Mais attends, c'est... Non, non, non. Je l'ai jamais fait, je le ferai pas. Extra Challenge, Extra Preset. C'est quoi, Extra Preset? Extra Mode? Allô? Ah, j'arrive pas à sortir. Oh, ça bug. Oh merde. Oh merde, putain, je l'ai... Ah, reliques du passé, ils sont tous à 12. D'accord, il me propose des trucs lui-même. Là, ils sont tous à 17. Là, ils sont tous à 5. Tous à 5, tous à 10. Tous à 15. Et là, tous à 20. Par contre, je peux pas... Ah putain, il est bloqué ce truc-là. Pas d'erreur. Je sais pas ce que ça veut dire. Non! Je voulais pas. Attends, c'est quoi ça? Version remasterisée. Le DLC de JRS? Mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est ça la suite du jeu que vous me disiez? Ah non, c'est le même endroit ça. On sait pas quelle nuit c'est. Il y a déjà un fantôme! Oh, je sens que je vais me faire démonter. Ça clignotait là, non? Ce serait pas Foxy qui clignote un peu? Ah, ça clignote pas, autant pour moi. Oh!
Il y a des pubs. Il y a des putains de pubs. Ils m'ont rajouté des pubs, c'est con. Mais non. Et le fait de me faire spammer, ça prend le risque de me faire cliquer ailleurs. Hein. Je sais même pas qui c'est là pour l'instant. Et ça m'a laissé une trace. Ah oui, une trace là. C'était soit Chica, soit Bonnie. Ah bah tiens, les deux sont là. Et aucun des deux m'a laissé de trace. Ah, Chica vient de partir. J'espère que je me trompe pas. Les gars, je me suis trompé. Adios, on est mort. On est mort, on est mort. Jumpscare. Donc en fait, c'est exactement la même nuit, mais avec des petits publicités en plus sur l'ordi, c'est ça? Donc c'était l'extra shift. Et si je fais continuer, c'est quoi free mode? Oh! C'est agréable ça, qu'est-ce que c'est? J'ai gagné quoi, des sous? Oh. Meilleur score, 3,50. D'accord. D'accord, attends, on va recommencer. On va mourir. Il n'y a pas un jumpscare quand même quand on meurt. Merde, c'est trop dur. C'est très dur. On peut pas jouer avec les flèches comme ça? Non. Évidemment, ça passe pas. Et donc le jeu me demande de speedrun. Et lorsqu'il a fait en 3 minutes 30. Attends, mais il y a un truc là-haut. Le but... Ah! C'est fermé? Ok, c'est fermé. Autre bouton en particulier qu'il faut que j'utilise, je sais pas. Il y a un lit carotte. Je peux faire dodo dedans peut-être pour récupérer de la vie ou un truc comme ça. Mais quel rapport avec le lore de FNAF ça? Les tops, les carottes. Ah, il y en a qui vont dormir, je crois. Bonne nuit à vous. Ah, je pouvais leur sauter. Oh putain. Je pouvais leur sauter dessus, j'ai l'impression, les petites tops. Ah merde, je me suis fait avoir. On peut pas le savoir si on l'a pas essayé. Il y a un passage secret là, non? Ça se voyait quand même. Je les connais les jeux. Comment on fait? Allô, tu veux sauter un jour? Ouais, d'accord. Ouais. Mais c'est vraiment très le bordel du coup. Pour tout chercher. Et faut, le but du jeu, c'est d'avoir toutes les carottes. Est-ce que ça a un réel intérêt de jouer à ce jeu là, le chat ou pas là? C'est quoi ça? C'est des pics? On sait pas. Je crois pas. Combien faut-il en plus? On sait pas combien il y en a en tout. Mais il serait capable d'avoir caché des trucs en particulier. Hein. À l'intérieur du jeu. On revient là? Merde. Ouais, c'est pas intéressant de revenir là. Alors, il aurait fallu d'abord passer par en bas peut-être. Mais j'ai galéré comme un con là. Ok, non, pas du tout. Pas du tout. Du tout. Putain, c'est pas simple ce passage. Est-ce que je peux aller là-haut? Ouais. Attends, je vais d'abord aller là, rapidement. Voilà. Je
Et on est à combien? Là, le speedrunner, il a presque déjà fini. Ah oh, putain, hop là. Est-ce qu'il faut les tuer aussi, les petites tops? Where is the carrot? Where are you, carrot? Y'a rien là? Y'a pas une carotte qui traîne? En fait, ça leur fait. Oh putain, y'a plein de carottes là à droite. Ça, je me prends pas de dégâts quand je touche les tops, j'ai l'impression. C'est un petit peu long. Ouais, on n'est pas trop sur le même jeu là. Effectivement. Y'a quelque chose là? Non, y'a rien. Là, il en faut 100 pour passer, on me dit dans le jeu. Donc c'est bon. Oh là! Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pas compris là. Tu me refais ça? Non? Ok. Oh, ça joue tout seul. Oh, j'en ai loupé une. Mais c'est trop chiant. Mais attends, est-ce que... Oh, il y a une carotte dorée. Attends, je peux aller la chercher, la carotte, là-bas? Non. Non, d'accord, j'en ai loupé une. Et là, c'est ouvert. J'ai fait une minute de plus que le speedrunner, ok. Franchement, si j'y allais à fond, j'aurais pu... Ouais. Ouais, pourquoi il n'y a que la moitié de l'écran maintenant? Avant c'était le quart. On a un peu que la moitié. D'accord. Ok. Ah, c'était ça, carotte! Ah merde! Bon, j'avais pensé que j'avais cliqué là-dessus, moi. Non. Je voulais pas faire ça. Je voulais pas faire ça. Bon. À moins que j'oublie quelque chose, est-ce que. Est-ce qu'on a fait. Oh! Il y a un morceau de... Ah, j'ai une étoile! Ma petite étoile! Et j'ai un morceau de papier que j'ai récupéré, je sais pas comment. Que j'avais pas avant. Et genre, il y en a quoi? Il y en a 4, peut-être, des morceaux de papier? Est-ce qu'on a vu tout ce qu'il y avait à voir, selon vous, dans le jeu? Le chat? Est-ce qu'on est bon? Est-ce qu'on peut s'arrêter là pour ce soir? Il y a des secrets, faut tryhard. Oui, mais ça, c'est comme pour tous les FNAF. On a jamais... Tu sais, tous les FNAF, on les a pas finis en mode... La nuit... La nuit 20 sur 20, la nuit 7, des trucs comme ça, on les a pas fait dans... Putain, j'ai le hockey de ouf. Je dis ok, mais c'est faux, en fait, je fais carotter. Qu'est-ce que je voulais dire? Si vous voulez vraiment voir les secrets de ouf, les trucs cachés, là, je vous invite à aller du côté de YouTube, chercher des streamers, des youtubeurs qui les ont vus, tout ça, qui sont vraiment mis à fond dans le jeu, qui ont tryhard pour chercher tout ça. Sally Face, c'est la semaine prochaine, je sais pas encore quand exactement, mais... Semaine pro. Je pense que oui... Ok, on a même changé de jeu entre temps. Ouais, c'est vrai. Non, je ferai pas la custom 20. Non. Et pour déconner, par contre, pour déconner, je veux bien vous montrer à quelle vitesse on se fait tuer. Pourquoi pas. Voilà, pourquoi pas. Mais sans plus. Voilà, l'envie n'y est pas. Le plaisir n'y est pas non plus, voilà, je vous précise. Bon, il faut faire full chat. La custom night. Et pour faire la custom night, pour y arriver, faut faire. T'as une chance sur 6. Puis après une chance sur 6, puis après une chance sur 6. Et en fait, tu fais tout d'affilée et t'essayes de l'avoir. Non mais là, en 3 secondes, je vais me faire tuer et je vais rien comprendre. Déjà, à quelle vitesse ça descend? Ça descend pas si vite que ça. J'écoute s'il y a la musique, c'est vrai. Allez, pour moi, c'est Balloon Boy. Pas du tout. Ah, bah si! Le fantôme est dans le... Mais attends, mais il a mis 1000 ans! Comment ça se fait qu'il était pas encore là, le fantôme? Attends, j'ai bien mis 20, j'ai pas mis 1 partout sans faire exprès. Ok, clignotement. Non. C'était Foxy, je crois. Je dirais Foxy. T'as la salle du haut, celle-là, il n'y a jamais eu personne dans cette salle. Ça me rend fou. Chica, Freddy... Ouais, pour moi, c'est Foxy. Vous êtes descendu vite ou pas? Pas tant que ça. Combien il faut que j'en fasse? Ça va être ça, la blague.
J'ai vu 20. Mais attends. Attends, mais la custom night, c'est on doit tout faire d'un coup, je comprends pas. J'ai fait une erreur. Je me suis gouré quelque part. C'est pas possible. Je crois qu'ils étaient tous à... Je crois qu'ils étaient tous à 1. Je suis tout... Ouais. Ah, mais attends. Ah, elle aussi, il fallait la mettre à 20. Mais il y avait... Non, il y avait écrit Custom Night. Ok. Et le fantôme derrière, ils sont tous à 20. Task 1. D'accord. 35. Oui, 35 tasks. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Évidemment. T'as pas mis assez de tasks au-dessus. Ah. T'es sûr, hein? J'ai pas ma troisième étoile, non? Ma deuxième étoile, vous êtes sûr? Autant pour moi. Ouais, le fantôme à 20, je vais me faire démonter. Et je mets quoi? Je mets 1000... Je mets 35? Non, mais je vais pas faire une nuit à 35 tasks. Vous vous rendez compte, c'était combien la dernière que j'ai fait? 7? 8? Bon, pour la blague. Pour la blague. Pour déconner. 35, mais ils sont fadas, les mecs qui ont fait le jeu. Ils sont complètement cons. Il y en avait 7, j'en ai chié de ouf. Non, ils sont... C'est des ouf. La game qui dure 5... La game qui dure 4 jours, ouais. Ok, le fantôme est déjà là. Alors, ça clignote pas. Ok, bonjour. Vous laissez pas des petites traces des fois là? On peut être déjà arrivé. Ouais, bonjour, ça va? C'est peut-être Balloon Boy. Hein. C'est pas du tout Balloon Boy. Je suis comme un con là, je sais pas ce que je dois voir. Il y a la musique, ça clignote pas forcément. Il y a pas de traces. Il y a pas de traces là. Ah si! Oh putain, si, il y avait une trace. Ouais, c'est dur à voir les traces. Ok, c'est Freddy ou Foxy. C'est dur à savoir ça. Mais du coup, Freddy, je l'ai déjà utilisé, donc je dirais que c'est Foxy. Toi, je t'appelle. Non, mais 1 sur 35, les gars! Les gars, je vais pas le faire, 1 sur 35. En fait, non. En fait, j'ai pas très très envie. Ok, j'ai vu Foxy. C'est qui ça? Je crois que c'était... Freddy. Freddy là. Et quelqu'un vient d'arriver. Et Bonnie. On n'a pas les numéros des fois. On a les numéros, ok. Non mais 35 tâches les gars. Oh, allez au moins vérifier sur internet s'il fallait pas en faire 20 seulement pour avoir la nuit 20 sur 20, tu vois. 35 ça me semble insurmontable. Faut que si tu bug. Mais il y a la musique aussi qui bug. C'est la musique selon moi. J'espère que je me trompe pas. J'ai peur. Ça clignote pas. Ah ok, on a Freddy. J'imagine que c'est encore Freddy. J'imagine que c'est Freddy ça, mais je suis pas sûr. Ouais, c'est Freddy. Freddy et musique. Hein. Il manque Bonnie et Chica. Ah, il y a Bonnie, ok. Donc c'est Chica. Donc je vais appeler toi. Non mais... J'ai pas envie de le faire. Je suis en train de le faire, mais pourquoi je me fais ça? Pourquoi je me fais du mal comme ça?
Ah ok, Bonnie? Y a ah, Bonnie ou Chica, potentiellement. Bonnie ou Chica... Pas Bonnie là. Ok, pour moi c'est Bonnie. C'est bon. C'est bon. On va appeler toi et donc c'est Bonnie. Je suis pas trompé, ça va. Non mais please. Allez, tuez-moi là. Donc là, y a pas de trace là. Tu m'as pas laissé une petite trace là en partant. Y a la musique. Il y avait les deux autres là. Ah, c'est peut-être Balloon Boy. Hein. Ouais. Oh, Balloon Boy, il va falloir qu'on le répare. Hein. Un de ces quatre. Putain, je sais pas moi. What? J'ai pas idée là. Y a pas de trace. Ah, si, y a une trace. Oh, c'est le gameplay le plus dur, les traces. C'est vraiment le gameplay le plus difficile. Bon, là, il y a Bonnie, Freddy, vas-y, partez. Ça m'a pas mis la trace plus fort que ça. Bonnie, Freddy, on s'en fout. Je cherche Foxy, Chica. Bonnie. Vas-y, Bonnie, c'est quand tu veux. Allez, Chica, c'est quand tu veux. Vas-y, 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 prends ton temps. Plein de ton temps. Chica, Chica, vas-y. Ah, il y a la musique aussi. Oh! Il n'y a pas de trace. Je crois que c'est la musique. Tu sais quoi, j'y vais vraiment au talent. Hop. Non, en fait, je pense que c'est mort, mais ça m'arrange de mourir. Oh merde, putain, c'était lui. Oh non. Oh non. Oh non, j'avais pas envie. Pff. Pas de traces. Putain, je sais pas quoi. Alors, je sais pas ce que ça peut être. Oh putain, j'ai eu peur. Oh putain, j'ai eu peur. Oh. C'est la marionnette. Encore ? C'était la marionnette. Elle faisait de la musique. Mais ça clignotait pas. Il y avait pas les... Alors elle m'aurait laissé une trace. C'est ce qu'il y a de plus dur. Quand c'est la marionnette qui est hantée et qu'en plus elle me laisse des traces. Mais ça sentait que j'avais pas envie de le faire. Oh, en 35, j'ai la flemme. Ça a pas l'air d'être si impossible que ça. Parce que regarde, j'en ai fait 6. Au niveau des réparations, ça devait aller, tout ça. Voilà ce que j'en pense. Mais c'était cool. Allez, on va s'arrêter là pour ce soir. On va se mettre comme ceci. Bonjour, ça va? Si je veux quitter le jeu, ça me quitte le jeu. Formidable, parfait. On va se mettre là. Impeccable, parfait. Bon, bonjour. Enchanté, bonjour, ça va? Alors, bon. Merci Titi Phoenix. Merci pour le 4e mois de resub. Et merci pour ton joli message. Merci Georgia 657 pour le 26e mois de resub. Merci Emma Katsuki 62 qui a sub en tier 1 pour la première fois de sa vie. Bienvenue, ben j'espère que le live t'a plu. Merci Oborozuki qui a resub pour son 2e an. Bon anniversaire. C'est quoi ses cheveux? Bon, ça va. Merci Blow qui a resub pour son 16e mois. Bonsoir à toi. Bon YouTube, merci d'avoir regardé cette rediffusion. J'espère qu'elle t'a convenu. J'espère qu'elle t'a plu. J'espère que tu m'en veux pas de ne pas avoir fait la fin avec 35 tâches parce que la cagne un petit peu. Voilà, encore une fois, je t'invite si tu veux savoir les autres secrets du jeu, allez fouiller un petit peu sur YouTube. Tu trouveras sûrement ton bonheur. Au revoir YouTube. Et à bientôt. Je finis la soirée avec ces belles personnes. Bye bye.